pour un simulateur de lavage, 20 balles, c'est un prix qui me semble maximal. Oh non, t'abuses. Comment ça, j'abuse? Oh, 20 balles, c'est rien, 20 balles. 20 balles? Mais t'as plus notion de l'argent depuis que t'es un bourgeois. Pour clic gauche laver 20 balles! Ça, alors, c'est pas juste ça, je pense. Espérons, Parce ouais. que je vois. Oh non, ils ont mis des DLC, je crois. Non, peut-être pas. J'en sais rien en fait. De toute façon, dès que t'es pas d'accord avec moi, je te fais laguer, je télécharge un truc. Donc là, je suis en train de télécharger un truc. Attends, mode carrière 1 à 2. Ah ouais, jeu libre. Jeu libre, mec, c'est de 1 à 6 joueurs. Wow, une sacrée fine équipe de laveurs. C'est ouf. Mode défi, c'est tout seul. Offre spéciale, c'est tout seul. Mode carrière, c'est à 2. Donc je pense qu'il faut qu'on tape le mode carrière. Après, ça me dit que c'est en bêta. Bon. Nettoyer la camionnette. Ah, Moi, mais je vais inviter quelqu'un. je suis allé laver ma voiture dans un truc où tu peux rester dans ta voiture et ça fait un petit parcours comme une attraction. Et bah, c'est vachement bien. Attends, redis. Tu peux rester dans ta voiture, donc déjà normalement tu peux pas trop rester dans ta voiture quand tu la laves. Mais tu parles Et de quoi? ta voiture elle avance Ah, toute dans la seule. vraie vie! Oh le geek. Oui, le Ah geek dans la vraie vie. Et ta voiture elle avance toute seule dans un petit parcours. Incroyable. mais Bon, t'avais je suis jamais dans le été jeu. dans un car wash de ta vie? Mais c'est pas comme ça les car wash. C'est pas comme ça un car wash. Ta Bah, on voiture elle parle avance pas bien de. toute seule dans un petit Aussi, parcours. on parle bien de ta voiture que Sur tu la mets, elle 50 démarre et tu mètres! passes. Et tu passes dans un tunnel où il y a plein de lavages différents jusqu'au truc final Mais pas de du tout, séchage. normalement tu vas à Total Wash machin, ta voiture elle reste sur place avec des vieilles brosses. Ah non, moi je te parle du truc où t'avances dans le long du tunnel. Oh les Et il y a experts du car différentes, wash! il y a différents rouleaux, serpillière, ça fouette, ça vente, ça souffle. Oh damn, excuse me, car wash expert. Putain, j'ai le seum. Ah, t'as fait les meilleurs car wash de France, je fallait pas que je te raconte cette anecdote. Hein. Parce que c'est pas commun, ça? Franchement, non. Hein. Je crois pas. Hein. Bon. On fait Ah oui, il quoi? y a le C'est truc des quel. stations totales où juste ta voiture elle bouge pas et c'est juste des rouleaux qui tournent, mais il y a rien de fun. Ouais, voilà. Ça, c'est pas fun du tout. Hein. Alors que ce jeu, qu'est-ce qu'il est fun? Mode carrière. Jouable à Attends, je deux. vais lancer. C'est moi qui dois lancer. Parce que je crois que t'es D'accord. censé me rejoindre. Déjà, moi, quand le menu de jeu est dans un iPad, j'ai une chiasse instantanée. Je trouve pas ça normal. Je trouve que c'est pas une fine idée. C'est pas une super idée, même. Je viens de penser à baisser le son parce que je me suis dit, Ah, il le pourquoi j'ai pas montre de pas, son, mais ça se moi? trouve, c'est horrible. Ah, ouais, y a pas de son pour l'instant. Alors, et là, normalement, je suis censé pouvoir, j'imagine. Volume de l'eau. Ah, ouais, parce que c'est un jeu de lavage. Ok, C'est je t'ai cool. autorisé. Ah non, inviter un ami. Oh la dinguerie. V5 HDR. Oh là, pas de HDR. HDR, ça fout tout en l'air. Fréquence d'image chip 60. Allez vous faire enculer. Ouais, j'ai pas fait la diff. Je vais répondre à ta. À ton invitation. J'ai répondu à. Il y a trop de touches. Oh, il y avait tellement de touches. Pourquoi il y a du vent en permanence? On est d'accord, c'est chiant. T'entends le. Attends le son, mais. Ouais, c'est bon, c'est chiant le son là. Ils sont cons Pourquoi le quoi. vent il souffle? C'est bien le silence aussi. Volume de l'ambiance. Mais attends, quand je fais volume général à zéro, j'entends le vent. J'ai baissé l'ambiance. Dommage les gars, il y aura Ambiance. aucune ambiance. Ouah, l'eau elle est forte! volume général, on va le baisser encore. Oh, c'est trop fort dans mes oreilles! Moi là, ça va. Waouh, mais. Oh putain, clignotant! Ça fait des points quand je nettoie clignotant! Oh! Ah, les feux Nettoie les arrière! phares! Nettoie les phares! Oh, les feux arrière, Oh ils la sont grave plaque! nettoyés! Feu stop! Les vitres arrière? Donnez-moi mes points pour les vitres arrière, sale chien! Attends, je peux changer. On peut pas faire pivoter Eh, le c'est G? exactement ce que j'allais te dire, ça me frustre qu'il soit que dans ce sens-là, là. Enjoliveur, bien joué. Mais il est. Faut bien nettoyer ça. Ouah, le dessus, il est sale, il me faudra un tabouret! Ah bah j'en ai un ici, j'ai une petite échelle. Ouais, je monte dessus, excusez-moi. T'imagines, tu fais ça à la voiture d'un client? Excusez-moi, mais c'est plus simple. Oh, le logo, faut qu'on le voit là.
C'est pas E. E, c'est quoi? Non, j'ai essayé. E, c'est change d'embout, je crois. Ah ouais, truc de professionnel. Ah ouais, E, tu peux changer ton embout, mais nous, on a... Oh, embout, oh, 25 embout à 25 degrés. Ça fait quoi, embout 25? Oh, c'est, bah, c'est la même chose. C'est plus large, mais moins 45, puissant. 40 degrés. Ah, mais ça fait... Ouais, c'est pratique pour les forces, ça. Ouais, et ça, c'est moins puissant. C'est... Okay. Mais par contre, le 0 degré, ça doit être genre un Karcher. C'est ultra puissant. Oh ouais, ça, c'est pour les tâches tenaces. Je suis une ménagère. Putain, et le flanc du véhicule là, il est très très mal nettoyé. Oh, t'avais mal fait les portières. Oh, le toit, je l'ai un peu bâclé d'ailleurs. Faudra y repasser. Par contre, la vitre avant, ça va partir. J'ai mis en bout à 0 degré pour la vitre parce que c'est bien incrusté. Hein. T'as raison, faut y aller. Ok, c'est bon. Pas mal, ça a frotté là. Est-ce qu'il y a des tâches Ah, roulette. Molette. Oh, merci. Oh, c'est quand même beaucoup plus pratique. Faut pas croiser des jets, ça porte malheur. Tiens, on les croise comme des vrais bros. Qui n'a jamais croisé son jet avec son pote? Putain, c'est long à nettoyer une voiture. Mais vous me dites, tu peux faire pivoter, mais je sais, mais dites-moi la touche, bande de connards. Ouais, comment? Oh, t'as vu, contrôle, t'es en position allongée. Ah, oh, putain, oui, attends, non, toi t'es accroupi, refais contrôle encore. Non, il n'y a pas d'animation. On est d'accord. Ça aurait été rigolo. La plaque d'immatriculation doit être bien visible. Ok, c'est R comme rotate. Ah putain, ça fait quand même bien plaisir, merci. Mais les vitres, tu nous as fait ça n'importe comment. Hein. Arrête. Si ça, de toute façon, si ça fait pas ding, c'est que t'as tort. Mais justement, c'est pour ça que je te dis, t'as fait ça n'importe comment. Là, je suis en train de faire les vitres, c'est tout crade. Et bah voilà. Mais arrête. La planète en PLS. Oh, mais l'eau, il y en a plein. C'est bon. Ça va, et... Et le monsieur va être content d'avoir sa camionnette toute propre, hein, je vous le dis. Bah c'est la nôtre. Ah merde. On n'est pas payé pour ce qu'on fait? Non, c'est gratos. Il y a plus... encore une tâche, là. Elle est encore quasiment... Il n'y a plus... Ah, alors. Tout est nettoyé, visiblement. Oh, t'as fait les rétroviseurs latéraux, t'as fait n'importe quoi. Je les ai pas fait. Ils sont dégueulasses. Ah bah voilà, c'est fait. 90% nettoyé. Mais ah, regarde ça, t'as les vitres dégueu. Voilà. Est-ce que les pneus, faut les nettoyer? Bah bien sûr que oui, bah non, voilà. J'ai pas dit enjoliveur, j'ai dit pneus. Ah voilà. 99, voilà. Il doit rester un peu de saleté. Ah, la petite tache là. Allez où la petite tache? Ah, allez, toi, tu l'as bien fait, le toit, ça brille. Le toit, il est nickel. Ah là là. Les phares, non, c'est bon. Ok, il y en avait une mini. Oh, le c'est pneu bon. Non. Le pneu a été nettoyé. Alors, je pense qu'il reste d'autres pneus à nettoyer. Voilà, encore un. Et là. Voilà. Et le dernier. Bah. Ah, c'est écrit. Pare-choc, calandre. Tu t'occupes de la calandre, je m'occupe du pare-choc. Ah, mais si seulement je savais ce que c'était qu'une calandre. Oh la honte, c'est parce que c'est une calandre. Moi, je sais juste que je voulais faire le truc, mais je sais ce que c'est. Ah, il reste que le pare-choc. Apparemment, j'ai fait la calandre. Non, c'est moi qui ai fait la calandre. La calandre, c'est ça. Apparemment. Donc, ça va être le pare-choc arrière, du coup. Non, c'est fait de pare-choc. Attends, à tous les coups, ça doit être bien incrusté. Faut y aller là. Ah, bah, j'ai l'embout parfait. Mais ça pousse. Dans la bite. Mais hop, ça là. Pousse. Ouais, ça pousse vachement. Oh, il y a une petite tache. Il y a une petite tache sur le côté. Ouais, ça va, le pare-choc là, il est bien, le pare-choc. Franchement, c'est nickel là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je l'asperge. Bon, là, l'eau, là, il y a peut-être un peu d'eau gâchée. Je vous cache pas. C'est pas grave, ça se recycle, il y a une évacuation. Oh, ah, il y avait une vilaine tache devant. Eh oui. Bien, l'extraordinaire docteur Lafort, c'est votre ami Harper qui va passer vos coordonnées. J'aurai besoin d'un coup de main chez moi quand vous aurez le temps. Oh, mec, on a un replay. Mais non, mais moi je vois rien. Échappe, tu fais. Ça va pas. Attends, téléchargement de la vidéo accélérée. Ah, moi je dois la télécharger parce que toi t'es en local. Vas-y, moi, fais-le.
Attends, je la télécharge, je la télécharge. Je me la remets. On a un replay de nous avec une caméra qui l'avons. D'ailleurs, on voit que t'es un connard et que tu montes sur le véhicule. Merde, le client va... Ah, c'est nous. Ouais, genre un... Comment ça s'appelle? Ok, ça commence de manière très amateur, mais vous allez voir la technique après. Ah, c'est ouf. Oh, c'est... Un timelapse, voilà. Trop stylé. Gain, $150. Eh c'est ouais. C'est pas beaucoup. Nettoyer le jardin. Oh, par contre, ce bruit d'eau est insupportable. C'est vrai que réduire un peu le son. Ouais, à force, je pense que vous avez plus hard oreille, donc on va le baisser quand même beaucoup. Voilà, oh, c'est grade de dingue. Ah, oh. Ah c'est là, super grade. Mais là, c'était censé être un petit... Ouais. Un petit bassin. Ouais, c'est un genre de jacuzzi ou... C'est extrêmement incrusté. Bon, bah, je vais essayer de m'occuper de cette merde, mais... Oh là là. C'est cracra, hein. Va falloir bosser, hein. Ah, puis c'est incrusté, hein. Mais on n'en viendra jamais à bout. Ah ouais, en fait, c'est trop incrusté. Pas des cailloux autour. C'est trop incrusté, je vais le faire au Karcher. Oh, oh non, mais les cailloux. Ok, ça va. Avec ça en bout, ça a l'air de marcher. Attends, t'as combien de dollars en haut à droite? 150. Excuse-moi, mon pote, est-ce qu'on pourrait partager les gains de notre mission qu'on a fait à deux? T'as combien? Zéro. Comme la tête à Toto, et 150 divisé par 2, ça fait 75 en fait. Non, sérieux, regarde ce qu'ils ont fait les anciens clients, c'est abusé. Vous êtes quoi? Non, c'est n'importe quel quoi, fils de sérieux. Pute. Moi, regarde, on vraiment nettoyer ça. Hein. Regarde, les blagues de Terracide, mes blagues. Genre vraiment, c'est abusé. Non, mais là. Alors... Moi j'ai honte de travailler pour des gens comme ça. Les clients sont vraiment des salauds. Enculé. En 2022. Je vais pisser dans le jacuzzi. Hein. Allez, putain, mais il y a des tâches qui sont tenaces là. Mais le problème c'est que toute la terrasse regarde. Ils ont chié partout sur la terrasse. L'entièreté de la terrasse est crade. Ah, mais tu vas pas nettoyer les cailloux en plus. Mais attends. C'est vraiment. Ouais, c'est le job qu'on doit faire là. C'est un nouveau job. Bah oui, nettoyer la. Oui. C'est gargantuesque. On va y passer tout le stream. Mais je sais pas si t'as vu les... Regarde, les autres missions. On découvre la couleur du carrelage. Et ben, wow. C'est pour ça. Et acheter des maisons qui ont l'air dégueulasses, parce que ça se trouve en grattant un peu, en fait, c'est super beau. Ouais. Suffit de mettre un coup de jet. Ça va être long. Ouais, mais c'est des satisfying vidéos. En vrai, moi je trouve ça très satisfaisant. Là. Je me régale. Là, je fais un petit 360 cleaning. Oh les vilains. Pas latéraux cleaning. Oh ouais. On va se retrouver non, sur non, c'est TikTok. Super bien nettoyé là. Alors là, mais là comment ne pas faire des satisfying vidéos? C'est impossible. On va faire un compte TikTok pendant 3 ans avec une vidéo par jour où on nettoie des terrasses hein. Oh putain, je suis en train de me faire la rambarde. C'est incroyable. On fait les marches là. Parfait. Ça va, ils ont pas chié dans l'herbe? L'herbe, on peut la laisser tranquille. C'est vrai que l'herbe est plutôt ok. Ouais, elle a l'air. Oh, le bassin flemme, ça m'a saoulé déjà avant là. Oh putain, le avant-après, ça se voit qu'on a bien bossé quand même. Allez, on va faire ça parce qu'on est de bonne volonté là. Allez, on a de la motivation. Ouh, c'est magnifique ça. Hey, tu imagines... Non mais là c'est un taf où il faudrait qu'on soit toute une équipe. C'est un truc de ouf comment... Mais la carrière elle se fait à deux apparemment. C'est ouais le... c'est deux max, c'est le bac à sable à 6. Ouais. Mais là il faudrait être au moins 10. Là j'avoue que pour un taf comme ça, dis donc. Ah il y a chier sur une pierre. Non je suis en train de faire le bassin, je voulais pas faire le bassin. Mais c'est quel état de dégradation pour que ça en vienne là? En plus, la maison, regarde la maison, elle est extrêmement propre. Quoique, attends, si je prends mon Karcher contre le mur. Eh oui, elle est extrêmement propre. Ah, elle est très propre, hein. C'est propre donc, là. C'est bizarre. Hein. C'est le retour de Viscera. Eh ouais. C'est vrai qu'on avait commencé en tant que nettoyeur sur Viscera. Hein. C'est que la suite logique. Hein.
Bah, c'est pour ça que vous voyez une telle expérience et un boulot aussi. Bah, il y a un savoir-faire. Hein. Aussi soigné, on va dire. Mais. Oh, bah, t'as bien fait des marches, hein! J'ai peut-être pas fini, mais ouais. Bien avancé. Ah, ouais, le mur, il est. Bon, on va il t'aider, craquera. Hein. Il craquera, le mur. Et puis, les taches sont tenaces. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais, faut y aller avec un gros jet là. Hein. C'est bon, faut pas j'ai partout, fini. Par contre, pendant le travail. Tu vois, on voit que moi je fais ça bien et toi c'est désordonné. Tu prends quel jet là? Oh, tu c'est prends le du jaune là. Ah, tu prends le jaune, on est d'accord. Ouais, mais regarde moi, mon travail. Putain, mais t'es lent hein. Ouais, mais attends. Mais tu fais n'importe quoi. C'est hein. L'eau qui sèche. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, c'est l'eau qui sèche en fait. Ouais, d'accord. Non mais j'ai bah oui, l'impression c'est que du bois. J'ai l'impression que je nettoie pas quand je passe dessus. C'est pour ça que je m'arrête et que je vais partout. Alors que regarde. Voilà. C'est du beau travail. Ah ouais, putain, par terre là. Oh là là. Oh les pardon. Coutures. C'est pas mal, mais elle doit pas être complète cette. Elle a pas fait gling. Elle a fait gling. Pas notre clôture. Ah, elle a fait gling. Eh ben, ça doit être bon. Attends. Faut qu'on se. Ah, ça s'écrase aussi, putain. Mais tu vas pas nettoyer ça. Oh là 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 là. Eh hey, hey. Eh. C'est des grandes marches quand même, hein. C'est pas évident. Ah, mais c'est du beau jardin ça. Oh, les rebords des marches, on n'y pense pas. Mais ah, en dessous. Là, j'en train de le faire. Les vilaines taches. N'hésite pas à faire tab. Oh, ça, tu vois la saleté. Alors là. Ah putain. Mais sachant, c'est beaucoup plus facile. Ah putain, comment c'est sympa ça. Mais non, là, on sera plus jamais coincé en mode qu'est-ce qui est pas. Bah ouais. C'est presque de la triche, si je peux me permettre. Parce que moi, je me suis dit, c'est. C'est plus difficile de trouver les tâches. Ouais, c'est. Vous êtes des tricheurs, non? Par contre. Si je peux me permettre. Nous, on aurait fait le boulot tranquille. Hein. Nous, on aurait trouvé les tâches. On a un savoir-faire. Mais bon, si on peut tricher comme ça, pas de problème. Ah, mais attends, je peux aller vite et ça marche quand même? Quoi? Mais ça change fait, tout! 3, c'est le savon. Mais n'importe quoi, c'est le ro. Attends. Ah, on en a liquide pas. De nettoyage. Ah, après, il faudrait utiliser des liquides en fonction des tâches et tout. Aïe, 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 aïe. Oh là, la niche du chien, elle va être resplendissante. On va être content, le gros chien. Là. C'est crade. C'est crade, c'est crade. J'y arrive pas. C'est trop crade. Ah, ah ouais, il y a des grosses taches de vomi sur la niche. Elle va pas partir, là. Allez. Voilà. Propre. C'est vrai qu'on dépense beaucoup d'eau. Hein. Nous? Non. Pas du tout. Porte de la niche, c'est très précis. C'est bon là. Ah oh, putain, c'est-à-dire que c'est mal nettoyé, je fais vraiment j'ai pas bien mon taf. J'ai nettoyé le bol d'eau carrément. Oh, la terrasse elle est trop grande, oh la flemme, on peut pas dire au client qu'on l'a quasiment fini. Oh. Il verra rien en vrai. Oh, c'est horrible. Oh, le petit bassin, tant que t'as fait la bite, faut nettoyer. Oh, faut pas laisser la bite, sinon ils vont la voir, ils vont péter un peu. Ah oui, là le grand jet, voilà. Hop là. Tout, 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 tout. Bon, au pire, ça a arrosé des plantes. Hein. Je finis jamais ce que je commence. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Du coup, je change. C'est pas satisfaisant. Ah ouais, mais ça va être bien fait le boulot, du coup. Ouais, carrément, ouais. Ah, mais ça nettoie trop mal ce jet, genre. Non. Ouais, il faudrait qu'on ait large et puissant. Ouais, là, on a des mauvais outils, je trouve. J'espère qu'on va pouvoir update tout ça après. Ah, dégueulasse. C'est quasiment bien nettoyé là, pourquoi on m'emmerde? Oh là, la table. La table et les chaises. Bien chiant ça. Oh, bien chiant à faire ça, je pense, les tables et les chaises.
Ah mec, j'ai fait le pare-soleil, c'était long. Le parasol? Non, le pare-soleil. Le... Cette merde là, je sais pas comment s'appelle ça là. Ah ouais, ça. Je sais pas. C'est super mal nettoyé, je sais pas pourquoi. Le jeu insiste pour me dire que j'ai mal fait mon boulot. Putain, regardez, regardez. J'appuie, hein, j'appuie, mais pareil. Ouah. Faut appuyer, hein. Un paravent. Ça arrête pas le vent parce qu'il y a des croisillons. Un brise-vue. Ça me semble déjà plus logique. Ouais, c'est un brise-vue. Ceux qu'on dit paravent, vous avez pas réfléchi, je trouve. Je m'attaque à la table. Car j'en ai marre de faire le sol. Quoi, mais le mur du bassin, c'est genre... Ah ouais, mais il considère que c'est... Ah, c'est bon. Le délimier du bassin, il est parfait, là. Et pourquoi elle serait encore... Pourquoi la table, là, elle serait sale? On m'explique. Oh, c'est... Oh, les... Mais comment ils ont réussi? Ça devait être une sacrée soirée, quand même. Comment ils ont réussi à... Mais comment vous avez fait pour chier sur la table? Ils ont sali le dessous du parasol, quand même. Non, c'est du très très bon boulot. Je veux pas me vanter, mais... Aïe, 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 aïe. Allez. Enfin, ça se voit que je sais rendre un client satisfait. Oh putain, la cabane à oiseaux. C'est bon, là? Ah non, bah faut aller dessus maintenant. C'est vraiment pas très... C'est pas très safe ce que je suis en train de faire. C'est pas censé être possible. Mais je le fais. 11 000 viewers pour du nettoyage de merde. Est-ce que pour toi c'est un nettoyage de merde ce que je viens de faire? Je le crois pas. Honnêtement, je suis pas sûr. J'en suis pas certain. Bon, le nichoir là, ça va aller? Il est bien nettoyé là, je suis désolé. Le dessous de la table. Ah, faut que je m'allonge sous la table. Ah putain, ouais, le nichoir il m'a baisé pareil. Ouais, faut s'allonger. Ouais, ouais, bah ouais. Mais le barbecue, mais s'agirait de s'en servir. Si c'est pour le mettre dans un état pareil, ça sert à rien. Hein. Les barbecues sales. Ça, y en a chez tout le monde. Hein. Faites pas les innocents. Hein. Liquide de nettoyage supplémentaire en stock. Ah ouais. La vilaine chaise, excusez-moi, mais c'est terrible. Hein. Ça va être trop long. Ah la pute. C'est... Elle est propre, là. Faut s'y atteler, hein. Hé hey hey, la chaise. Ouais, c'est bien. Ouais, par contre... Vous vous rendez compte que j'ai payé 20 balles pour ça? Tu sais que des gens sont payés pour faire ça, hein. Moi, je paye pour faire ça. Mais de quoi se plaignent les gens? Ouais, genre faire ça gratuitement toute la journée, tous les jours. moi je signe direct, hein. Putain, satisfaisant. Ouais, on va peut-être devenir des speedrunners. Le duo de nettoyeurs le plus rapide du monde. C'est ça, tu vois, le problème des gens qui font ça vite, c'est que c'est du travail mal fait. Oh. Moi, tu vois, non, je suis pas payé à l'heure, mais je veille à ce que le travail soit bien fait. Lui, il est dans un autre délire, il est vraiment impliqué dans le jeu, là. Non, mais là, c'est vraiment bien fait, quoi. Oh, la terrasse, ça va être... Avant qu'elle glingue, voilà. Ça va être un délire. Hein. On reviendra aux chaises. Tiens, attention. On reviendra aux chaises, mais là, actuellement, cette terrasse, elle m'énerve. Quand alors tu vas revenir voir le barbecue, tu feras aucune différence avec Antoine, tu vas te dire, mais en fait ouais. Il a toujours été neuf. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé le barbecue, c'est trop dommage. C'est pour ça que tu verras, tu te diras, bah il ouais, est comme neuf. Il est normal, ouais, ouais. Très lent. Ouais, ouais, bah. Ouais. Peut-être, ouais. Mais regarde. Ça, c'est beau. Ça, c'est du travail bien fait. Ça, c'est. Putain. Wow, le délire, putain, le délire.
Ouais, d'accord. Pa, Là, pa, j'ai pris. Là, j'ai pa. compris un truc, là. Là, j'ai compris un truc. Franchement, c'était En pas tout cas, déjà moi, nettoyé, ça? j'ai pris une claque grâce à Putain, Powerwash Simulator. La claque de l'année, je dirais. Regarde tous les glingling, regarde tous les glingling. Oh, la caisse enregistreuse, glingling, jackpot. Oh là là, Oh là là, ça glingling. n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Oh, la dernière, elle fait pas gling. Horrible. Ah, faut bien nettoyer des boutons. Gling! Ouais! La niche, elle est finie ou pas? Ah, c'est. Attention, la niche quand même. Mais jure, j'ai tout fait. Mais c'est parfait. Oh bah tiens, viens m'aider à la terrasse, tiens. Puis t'as Attends, rien non, à non, non, faire. non, j'ai... Il y avait des détails. Non, mais t'as plus rien à faire là, je pense. Il y avait des détails à régler. J'avais pas pensé aux angles. Tâche tenace, là ça veut pas partir. Là, c'est parfait. Alors, t'en es où, toi? Bon, à la terrasse, il y a un peu de tout, hein. Oh là là, la palissade! Oh, c'est une blague! Ah, je l'ai. Ouais, je l'ai pas faite la palissade. Hein. Ah, oh, bah ouais, je vois Ah, bah ça, non, ouais. ah, bah non, ça. J'ai pas 10 mains, hein. Bon, bah d'un côté, un mec qui fait le travail comme il faut, et de l'autre, un gars qui veut finir sa journée rapidement. Le truc, c'est qu'on devrait regarder la quantité nettoyée. Parce que, entre lui là qui fait son barbecue, ses petits trucs à oiseaux, moi je suis dans le dur là, je suis sur une terrasse de 50 mètres carrés là. C'est comme les éboueurs à Marseille, tu sais, ils sont. Putain. S'ils terminent plus tôt, ils peuvent se barrer. Résultat, tout est mal fait. Et ben Non mais voilà, là, non c'est mais. pareil. Écoutez-le, il a fait que des petits trucs là, que des de la gnognotte là, des petits Là, la bassins palissade, japonais. elle est nickel. Là, j'ai hâte de voir la Oh dernière là, vague. il a mis Putain, 50 ans et pour faire voilà. un panneau. Et voilà. On n'en peut plus, hein, on À ronfle. gauche, On linque. ronfle. À droite, terracide. On ronfle. Non mais mon jet, il est nerf. Non mais vous avez vu, regardez. Il nettoie rien. Je vais changer de jet, hein, c'est trop. Ah, je change de jet. Il fait rien mon jet. C'est pas beau, hein. Voilà. Là, franchement, j'y suis. Je suis bientôt, je pense. Regarde la différence entre les deux palissades, excuse-moi, mais. Il n'y a pas photo. Ah. Très toxique au travail. Franchement, une autre chose qui pourrait m'aider à part des outils plus puissants, c'est un autre collègue. Hein, parce que. Travailler Plutôt dans ces bosser derrière conditions, toi c'est pour quand même. nettoyer les tâches, quoi. Ouais, bah vas-y, fais les tâches de la terrasse là. Parce que je peux te dire que. T'as beau passer très calmement partout en ligne droite, il en reste toujours. Et quand je le fais, bizarrement. Oh! Hop Bah tiens! là! La terrasse qui est C'est faite! moi, Quand les j'arrive! tâches ici. Non, non, les tâches ici, je peux te dire Quand que t'as rien j'arrive, fait la du tout. terrasse est Non, non, pleine! j'ai tellement bien fait cette terrasse. C'est La trop grave. plage Hein. est propre! C'est trop grave ce que j'ai fait à cette terrasse. Touche pas à mes chaises! Je te fais les chaises en plus, je te fais les chaises! Eh, par contre, là, tout est fait. Qu'est-ce qui reste? La niche, elle est pas le fait, hein! La niche, il en reste un peu, ouais. Ah, bah, je vais nettoyer ta merde! Je vais nettoyer ta merde! C'est ta merde! C'est tellement simple à faire une palissade. Je vois pas de quoi il se vante, l'autre, là. Elle est Regardez. faite, la niche? Regardez comme c'est Ah simple. non! Il a oublié de faire les angles! Regardez comme c'est simple. Et voilà, la niche est faite! Et moi aussi, si je bouge pas et je fais. Ah oui, non, mais vraiment, hein, c'est facile, hein. Voilà. Oublie pas pour qui tu bosses, je te rappelle que t'as C'est 0 simple. dollar. Ouais, bah le patron, il va me donner un peu d'argent. Il y a un système d'échange d'argent. Parce que J'en moi, sais je. rien. Moi je, c'est bien simple. Si j'ai pas d'argent sur celle-ci et si j'ai pas mon argent de la dernière, tu vas bosser tout seul. Ce sera la grève. Tu es en train de faire n'importe. Regarde ça, Hop putain, là, c'est voilà mal comment on fait. bosse. Allez, les Voilà, sommets de clôture voilà. là. Oh, Tiens, il a rien fait le ici, je suis poteau mort là, de le rire. poteau là. Voilà le poteau. Hop là. Toute la terrasse. Oh la cabane! Oh, mais qu'est-ce que t'as fait à cette cabane? Mais c'est J'ai rien fait. ridicule!
T'as pas. Non, ça t'a pas effleuré l'esprit qu'elle était pas comme ça quand on l'a installée, cette cabane. Et cette tondeuse. Oh la pauvre tondeuse. Bon, celle-là, on s'en occupe. Attends. On va lui redonner sa gloire d'antan. Allez, vraiment, si on y va à deux, là, on a juste à secouer un peu partout. Allez. Elle commence déjà à avoir une sacrée gueule, cette tondeuse. Ouais. Oui, voilà, c'est nettoyé. Bon. Ah merde, c'est pas nettoyé en fait, c'est du bluff. Ah bon, c'est des. Ah merde, ouais, il reste le. Ok. Bon. Bah, c'est bon. Alors... Bon, la cabane, on est dans le dur, hein. Ah ouais, là, c'est, y a de la surface, hein. Mais pareil, là, elle fait pitié. Mais vous la verrez dans 2 minutes, bon. Oh là, là. Hop, on va faire les bords. Wouah. J'allais écrire sur la cabane quelque chose et je me suis arrêté tout seul. Comme un gros garçon, je fais non. Tiens, je vais commencer à écrire, j'arrête. Aujourd'hui, je vais pas me faire ban. J'ai décidé de pas me faire ban, voilà. Oh, ça devrait faire. Oh, c'est quoi, c'est décevant parce que ça devrait faire de la musique, ça. Quand tu éclabousses ce truc. Moins 1 à la note de ce jeu. Ouais. Une mauvaise review pour c'est le pas jeu. Ouf. Oh putain! T'es un petit singe, qu'est-ce que. Regardez-le! Ouais, mais faut. Ouais, bah c'est trop crade, faut nettoyer! Mais le truc, c'est que je peux. Attends, mais il faut que je trouve un moyen de grimper. Ok! Continue! Et si je me servais de la tondeuse pour. Ah ah! Il y avait peut-être. Je crois qu'il y avait une petite échelle à un endroit. Hein. N'hésite pas. Il n'y avait pas d'échelle. Si, sur la terrasse, il y a un petit marchepied. Tu me demandes, hein. N'hésite pas. On peut le bouger. Je suis sûr que oui. Je vais aller essayer. Ça gligne fort. Ouais. Eh ben heureusement que quelqu'un s'occupe du toit parce que c'est bien crade là-haut. Il y a de la merde de pigeon et tout. Hop là les décos. Non mais sérieux, le gaspillage d'eau c'est ouf, hein. Non, par contre là moi j'ai le clic gauche n'est jamais lâché. Ouais, c'est ouf. Franchement bon. On n'arrête pas. Ouais, bah, cabane nettoyée. Oh là là, il reste quoi là? Il reste ça. Les fenêtres. Ah. Ça compte les fenêtres? Qu'est-ce qu'elle veut là? Dire les ah bords, oui, il y avait plein de trucs sur la cabane qui n'étaient pas nettoyés en fait. Ah ouais, les fenêtres c'est technique, hein. Ok. Bah je crois qu'elle est pas mal là. Ah ouais, elle est pas mal. Oh là là, la petite voiture. Allez, on la fait en tournant celle-ci. Ah là, qu'est-ce qu'elle mérite là. Ah putain. Dans ta gueule. Ouais, c'est bon. Oh, le... oh putain. T'as vu, hey. Oh le barbecue en inox là. Il est oh. Comme neuf. Oh il shine. Il est magnifique. Ça me donne envie de faire un barbecue quoi. Ah oh, bah mais il va nous rester que... Je rêve ou... Ah attends. Bâbord. Ah oui, attention quand même. Ah quand tu rotates pile au bon moment c'est magnifique. Ok. Et là, maintenant, ça va bah, être là. Chiant. On attaque. Ça, là on est dans le dur un peu. C'est pas le plus rigolo. Ah. Un sacré jeu quand même. Hein. Je le recommanderais, je pense. Eh, hey, fallait y penser. Hein. Je le recommande. Ah, c'est difficile quand il y a plein de petits éléments. Il y a plein de côtés sur toutes les branches là. Pas évident, pas évident. Yo. Ok. Oh le bazar. Ouais, je m'occupe du toit. Vas-y.
Je suis très souvent en jaune. Hein. Cadre de la balançale nettoyée, ça me fait plaisir. J'espère que le chat verra que j'ai fait un petit effort pour être plus soigné, puisque j'ai eu des plaintes. Hein, vous n'êtes pas mon client, et pourtant, j'ai eu des plaintes sur ma manière de travailler. J'espère que vous avez vu que depuis 10-15 minutes, c'est quand même une autre limonade. Hein, vous avez remarqué quand même, non? J'aurais vérifié ça de mes propres yeux. Honnêtement, j'y vais plus méthodiquement, non? Bof. Bah vous avez aucune... Vous avez aucune connaissance du milieu. Mais bon, je peux le comprendre. Ça c'est nickel. Les chaînes. Les chaînes du balançoire. Et la balançoire en soi. C'est magnifique. Ah, il y a des trucs là. Il y a des vilaines entre les... Tiens, regarde. Ouais. Entre les... Ça, faut bien attaquer ça. Faut attaquer puissamment là. Oh putain. Dans les interstices. Oh oui, je le touche. Attends, derrière, il y a un truc là. Oh bah il faut s'allonger. Bah oui, en dessous. Ah mais c'est ma gueule ça. Ah oui, en dessous. Eh ben, 99, qu'est-ce qui va rester là? Qu'est-ce qu'on... Comment on... Là, j'ai vu un truc, Là, les marches. Ah putain, on pouvait vraiment bouger. Attends, ça, il y a un truc là. Cette marche là, elle est crade. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que les marches, il me semble pas les avoir vues clignoter à un moment en mode fini. Quoique. Bon, alors là. Excusez-moi, mais. Et. Bah là. C'est quand même du travail bien fait. Qui a quelque chose à redire? Ça me dit encore que lisse haute du mur soutaine. Quoi? Fenêtre cabane. Alors, selon le chat. Oh oui, oh oui! Oh oui. Ça, faut attaquer comme ça là. Voilà. Ce sera tout? Certainement. Non. Mais non, là, il y a toujours un truc cracra, là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, échappe. C'est ce truc là. Et alors, panneau de... il reste un poteau de clôture et deux sommets de clôture. Oh putain, c'est là! Ah bah, j'ai trouvé un sommet de clôture. Oh là là, bah ouais. Bordure de pelouse, lisse haute du mur de soutènement. Se fout de ma gueule? Oh, c'est ça. C'est ce truc là que j'essaye d'avoir. Et à tous les coups, et voilà, c'était en dessous. Allez, on nettoie. Bien joué. Bordure de pelouse, il y en a pas mal. Ce serait laquelle? Ah, c'est pas évident à voir, mais bon. C'est laquelle, la bordure de pelouse? Là. Ici, là. Sur les côtés, là. Entre les cailloux et les... Voilà. Le pas japonais. Pas japonais... Les pas japonais, c'est pas censé être des petites marches. C'est pas sous les cailloux, c'est ça, là. C'est ça. Ouais. Hop là. Oh putain. Oh, le timelapse qui va arriver. Oh putain, ça va être... Je vais me branler. Oh la vache, oh le boulot qui a été fait. Oh le boulot. Les viewers montent. Et tout le monde veut savoir une seule chose. Qu'est-ce qu'on va nettoyer après? ils savent tout faire. Une camionnette, un jardin. Et puis quoi encore? C'est zinzin. Et il n'y a pas un commentaire client? Le chat est très content en tout cas. Ça c'est certain. Bon, ça c'est top alors. Ensuite, sur timelapse vous verrez, hein, de toute façon le changement de ma méthode. Oh, et ma méthode est incroyable. Quand je regarde le barbecue en timelapse, tu sens le travail bien fait. Ça se fait, on dirait un truc automatique. C'est ouf. Vas-y, c'est bon. Sur la prochaine map, je vais être pixel. Ça va être incroyable. Ah, la moto tout terrain. Ah, démarrer ce mode mettra fin à la session multijoueur actuelle. Bah. Non. Ah non, hein. Parce que sinon on va s'énerver. Hein. Putain, bientôt la vidéo. Ah voilà, on a la vidéo.
Oh, on me voit pas, je suis derrière le brise-vue là. Ah ça, on fait ça bien, hein. On fait ça bien. Continuez. Mais mon argent! Putain, mon argent! Allô? Non mais là ça va être... Ouais attends mais pourquoi ça me dit démarrer ce mode mettra fin à la session multijoueur actuelle? Pourquoi vous me dites ça monsieur? Ah je peux acheter des trucs avec les 550 dollars. Nettoyeur haute mais pression, attends, mais non, mais ça va pas du tout parce que du coup je vais avoir des outils de merde. Ah, t'auras peut-être les miens. Ah, espérons. Nettoyeur haute pression. Mais par contre, ça, c'est le même. On a encore des missions ou ils ont fait un mode coop avec deux missions? Non, je pense pas. Ah, c'est juste que je vais quitter cette map. Ok, regarde. Commencer la mission. Ça t'a changé? Ouais, bah oh voilà. La vilaine moto, ah. Comment ça va aller? Attends. Vite. Avant, je vais essayer de nous acheter des trucs. Vas-y. Alors, liquide de nettoyage. Élimine rapidement toutes les saletés des surfaces en verre. En métal, en plastique. Ici, on a du plastique et du métal, je peux te le dire. Donc, tu veux que j'achète du liquide de nettoyage pour métal? Bah, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Quoique, il y a de la grosse terre là sur la moto. Il y a beaucoup de choses, hein, y a beaucoup de choses à acheter. Hein. Par exemple, si je vais dans les nettoyeurs haute pression, il y a les nettoyeurs légers, nettoyeurs moyens. Ah, on n'a pas assez, frère. Ça coûte 9... Rien que le nettoyeur moyen, c'est 900 dollars. Oh putain. Nettoyage professionnel, c'est 5000 dollars. Il est trop beau. Je sais pas pourquoi tu me pousses, mais équipement. Embout 0 degré rotatif. Extension courte Prime Vista 1500. Améliore la portée et peut être utilisée sur les surfaces proches. Putain, embout à savon. Non, mais il y a tellement de choses. Et toi, tu peux rien acheter, toi. C'est où que tu vois ça? Quand je fais échappe et dans, en haut à droite, boutique. Dans le store. J'ai boutique. J'ai modification. J'ai des skins. Et c'est tout ce que t'as? T'as que des skins. Modification, vêtements. T'as pas tout ce qui est. Mode carrière. Boutique. Bah, s'il y a des professionnels du nettoyage qui ont des conseils à me donner en termes d'achat. Parce que sinon, je vais craquer et je vais acheter un skin de nettoyeur du coup. Donc. Faudrait non, bien de me le dire rapidos. Pas un skin. Il nous faut quelque chose d'utile. Rien si pour vous l'instant. Voulez progresser, ne pas investir dans les savons. D'expérience, c'est cher pour le rendement. Normalement, j'ai plus de conseils à vous donner, vous savez tout. Mais là, le conseil que tu nous as donné, il est négatif. C'est-à-dire, n'achetez pas ça. Tu nous as pas donné un ne conseil. Faites pas ça. C'est pas de truc à faire. Bah ouais. C'est dommage, non? Putain. Eh, je vais péter un plomb. J'ai envie de nettoyer cette moto. Je vais péter un plomb. Attends, attends. Améliore la portée du nettoyeur, mais ne peut pas être utilisé sur des surfaces proches. Améliore la portée, peut-être résider sur les surfaces pro. Améliore la portée. Ah, je peux pas l'acheter de toute façon. C'est quoi? Allez, embout 0 degré rotatif qui élargit la zone d'effet. C'est acheté. Je sais pas si il est équipé. Oh, t'as vu ça, ah, regarde, quoi, c'est comme quand tu secoues tes bits. Ça fait une rotation. Tu l'as pas l'embout? Oh, comment tu mets ça? Bah, j'ai scrollé jusqu'à la voir. Turbo Prime Vista 1500. Un embout 0 degré rotatif qui élargit la zone d'effet tout en maintenant une pression maximale. Oh, oh là là là. Oh, regarde oh ça, là ça là. Nettoie vraiment. Ouais. Oh, c'est vachement bien. Eh, ça marche bien cette merde. Bon choix, bon choix. Mais je vais quand même taper sur le. Pour commencer, on va y aller. On va y aller dans le gros là. Et l'embout rotatif, on verra plus tard. Mais franchement. C'est une petite mission à 75$, c'est pour nous faire rafraîchir un peu. Franchement, j'aime bien. On va trop hop, vite, on va la trop pédale. Vite. Eh, faut se calmer, on va trop vite. Oh, elle est très très sale cette motocross. Hein. Ouais. Ok. Ouais, oh, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, c'est de ouf. Ouais. Le pare-choc. Tu m'étonnes. Ouais, bah ouais. Carrément. Oh putain, okay. Pot d'échappement. 99. Ouais. Ouais. Carénage, garde-boue arrière. Ok.
pignon. Pignon, je sais pas ce que c'est. Pignon, pignon. Il est où le pignon? Pignon, c'est ça le pignon, c'est pas le truc à l'arrière le pignon? Ah, j'adore les pignons, mais là, j'avoue que je le vois pas. Le pignon. Le chat, c'est bon, c'est pas besoin de vous, bande de nuls. C'est parce que c'est pignon. Le pignon. Eh ouais. Eh ouais, les nuls, oh putain. Voilà ce que c'est. All un pignon, le chat. All time lapse. Oh, je t'avoue, là, je vais pas le télécharger parce que flemme. Mais c'est comment ça se fait que ça vaut tant de temps pour toi de télécharger? Je télécharge une vidéo à chaque fois et c'est... franchement, c'est... Quand, là, pour une moto, je t'avoue, je vais pas le faire. Alors là, je l'ai juste annulé, mais ça n'a pas l'air de... Voilà. Nettoyer le bungalow. Ou nettoyer le terrain de jeu. Tu veux nettoyer un bungalow ou un terrain de jeu pour enfants? Ça se trouve, dans le bungalow, il y a des dingueries. Genre, c'est un gros beauf. C'est l'arrière du bungalow, c'est de l'extérieur. Du coup, là, vous allez me dire, j'ai téléchargé le début de la vidéo. Ah non, même si j'ai cliqué sur annuler, ça m'a quand même pris... Ouais, d'accord. Et bah, hop là. Ah putain, mais il a toujours aimé les jardins pour enfants, Terracine. C'est chiant, on y va quand même. Hop. Mais non, mais parce que le bungalow c'était l'extérieur et je me suis dit c'est du déjà vu avec ce qu'on a fait si dans le c'est jardin. Que l'extérieur, hey, ça. Tu savais que ce banc était rouge? On n'aurait pas dit, hein. Oh, il y a d'autres couleurs. Alors je vais faire tout, je vais faire toute la base. C'est un unboxing. Ah ouais, tu fais vraiment le plus chiant. Oui. Ah bah elle est pas très sale, ça. Okay. Oh putain, me chauffe pas, je vais mettre l'embout rotatif. Attention, je vais le mettre. Ah là, c'est, j'avoue, l'embout rotatif pour moi il sera pas utile, je pense. Ouais, c'est pour le détail, l'embout rotatif. Ouais. Par contre, faudrait qu'on achète un embout qui permet de faire large et puissant. Ouais, parce que là, putain, ouais. Oh bordel. Je suis pas sorti, hein. Je suis pas sorti. Hop là. Oh, il est magnifique le banc. Putain, je me serais jamais douté qu'il y avait un tel banc. C'est extasié sur un banc. Ouah, mais on peut une énorme échelle, on peut bosser avec une énorme échelle. Et bah voilà. C'est une excellente nouvelle. Non, par contre, c'est trop long. Prends le verre. Ouais. Ouais, on va prendre le verre. Ah, c'est bien le verre. Vous avez raison. Je vais checker s'il y a un embout qui fait large et puissant. Ah, ça c'est propre, ok. Embout améliore la portée et peut être utilisé sur les surfaces proches. Prends le améliore jaune. La portée du nettoyeur mais ne peut pas être utilisé sur les surfaces proches. Ok, je prends le jaune. Hey. J'ai pris deux nouveaux embouts. Hein. Ah ouais. Je les vois pas. Est-ce qu'ils sont équipés automatiquement? Extension courte. Améliore la portée et peut être utilisée sur les... Améliore la portée du nettoyeur mais ne peut être utilisée sur les surfaces proches. Ok, je vois le délire. Ah, c'est ah, pas mal. C'est là l'extension. Ah, je peux faire de la terrasse, enfin le sol de beaucoup plus loin. En vrai, c'est pratique pour moi là. J'aime ces achats. Ça change mon quotidien. Mais c'est pour ah ouais. Ah mais là, c'est où... juste l'embout. En fait, c'est ouais, le tuyau. Tu vois, j'ai une longue tige, tu vois. Ouais, j'ai une longue tige comme vois. Toi là. Et ça me permet de faire le sol plus vite parce que je peux faire des longues. Bah, des je suis content de t'avoir aidé. Moi, je vais partir sur du simple. J'ai l'impression que tu t'es rentré du boulot et tu m'as acheté un beau cadeau. Merci pour le cet mari embout rotatif. Qui offre un truc à sa femme de nettoyage. Elle était pas contente. Alors que je t'ai acheté le vis, t'as pris une 1500. Non, mais si on savait qu'il y avait de belles couleurs comme ça sous un banc comme ça. Je suis pas déçu avec ce jeu vidéo. Hein. Putain, on en a pour notre argent. C'est le moins qu'on puisse dire, honnêtement. Ouais, maintenant, tu regrettes d'avoir dit 20 balles c'est trop et tu te dirais là, 20 balles c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Les maps sont jolies, les couleurs sont super, la sensation de l'eau est top. La technicité des outils, j'en parle même pas. Moi, ah, c'est... j'adore. Oh, j'adore. Wow, par contre, les gosses sont vraiment des gros porcs. Hein.
Les enfants sont bêtes. C'est le problème. T'es pas en train de jouer avec un ballon quand même, j'entends un... Non. Alors, nettoyage. J'ai entendu un... On va se faire le triceratops. Ah, elle a l'air drôle ta mission. Moi, pas tellement. Il est crade le triceratops là. Mais oh putain, bon courage. Tapis d'embout rotatif. Ah, bon courage, il a l'air bien chiant. Et il est super crade là, bordel. Ah, bon, effectivement, maintenant qu'on m'a dit que clic droit c'était le jeu automatique. Oui, ça change pas mal. Oui, j'ai trouvé tout à l'heure et c'est quand même assez extraordinaire. Ça fait moins mal à l'index. Pour toi, hein. Ah, faut bien que je garde des petites secrètes. Ouais, c'est ouf, technique hein. Secrète, quoi. S'il aiderait un collègue, bah non. Non, bah... Alors, voilà, là, mais il y a tellement à laver. Oh là 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 là. Tu vois, c'est pour ça que je nettoie jamais chez moi. Parce que souvent, je me dis ça aussi. Putain, il y a tellement... Ouais, ça va être si long. Et puis nous, on n'a pas des tels outils, tu vois. Donc, bon. Donc autant rester dans la crasse. Parce que, de toute façon, à laver... Pour devoir relaver 6 mois après ? Non, merci. Non, non, bien sûr, ça ne sert à rien. Mais dans quoi je me suis lancé ? On est à 14%. Honnêtement, le triceratops, c'est vraiment compliqué. Hein. Alors que j'ai fait une surface de fou. Bah ouais, ça m'a de loin comme ça, ça m'avait l'air... Parce que ce con, c'est un jouet en intérieur. Si encore il n'y avait que du dehors. Oui, c'est un stégosaure, oui. Oh excusez-nous, le les paléontologues. Toujours, le chat, hein, toujours. Toujours, hein, le petit grain de sel. Excusez-nous, William Grant. Putain. Ils ont pas pu se retenir, alors ça, je l'aurais parié. Ah, mais c'est fallait qu'ils le disent, hein. Ah, ça a vécu de quelle époque à quelle époque, ça? Ça mange quoi? Ça mangeait quoi, ça, hein? Ça chie quelle forme de merde, hein? Putain, vous savez tout, ça. Ça, c'est insupportable. Acheter du savon, ça ira mieux. Ça sert à rien. C'est comme quand je me douche. Chaque fois que je mets du savon, je vois pas l'avant après, donc j'en mets plus. Moi, je ne mets plus de shampoing depuis un an. Hein. Ça servait à rien. Ouais, comme ça, c'est réglé. Hein. Oui, mes cheveux sont gras, mais il paraît que c'est très bon. Et c'est très très sain. Oui. Et comme c'est ça, moi, j'ai plus de besoin d'acheter tout le de temps pour faire des frites. Ça a un petit goût de... un petit goût de moi. J'essore au-dessus de la poêle. Ah, c'est du beau boulot quand même. Laborieux, mais beau boulot. Mais il n'y a pas d'honte à être technicien de surface, c'est un des meilleurs métiers finalement. Bah ouais. Alors là, je comprends pas pourquoi on peut pas appeler ça un homme de ménage. Pourquoi appeler ça un technicien de surface, c'est complètement con. Technicien de surface, moi, je suis un homme de ménage. Par contre, là. Le nom, ça, j'ai jamais vraiment... Bon, on dirait un truc, c'est macho, parce qu'on n'assume pas de dire homme de ménage. Du coup, on a inventé un truc un peu surqualifié, alors que ça, c'est homme de ménage. Parce qu'on dit pas qu'une femme, elle est technicienne de surface, du coup. C'est vrai que j'ai jamais entendu homme de ménage, et j'ai jamais entendu non plus technicienne de surface. Bah alors là... On va faire changer les choses aujourd'hui. Ouais. Voilà, il suffisait d'en parler et maintenant je suis sûr que les choses vont changer. Voilà, on est homme de ménage. Ça part de vous. Tout est entre vos mains maintenant. Ah mais putain de ballon qui me dérange plus qu'autre chose en fait, hein. Si, si, putain, on mais le dit, que c'est bien on nettoyé le dit ça. Aussi. On le dit aussi. Oh, j'ai jamais entendu. Oui, bah, peut-être que vous, avec vos amis, vous dites technicienne en de soirée. Surface. En soirée, vous dites que l'homme de ménage, tout ça, mais bon, moi j'ai entendu ça. Ah, c'est quand même du beau boulot. Bon, en tout cas, l'intérieur est. Ouais, non, c'est nickel. C'est nickel. Bon, l'extérieur maintenant. Le sol, j'avance bien. Sachant qu'il y avait du boulot quand même. Je te préviens par avance, ne me fais pas trop de remarques sur l'extérieur parce que ça, c'est un sujet sensible.
Mais je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Je pourrais. De même, ne fais pas ce genre de choses. ne fais pas ce genre de choses. Je suis un peu tendu parce que j'ai fait 300 mètres carrés de terrasse et voilà. Je sais pas qui de nous deux a le travail le plus laborieux. Moi, c'est dans plein de petits détails, c'est vraiment chiant. Moi, c'est pas du tout dans le détail, c'est juste très très grand. Donc, à voir. Putain, on a inventé des aspirateurs robots, on peut pas inventer des nettoyeurs robots. C'est vrai ça. Tu lui mets tous les outils et puis se démerde. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait des aspirateurs robots qui avaient la décence d'accueillir de l'eau pour nettoyer le sol. Oui. Bon, c'est déjà ça. Faut avoir confiance quand même, hein. Il doit foutre un sacré bordel avec son eau. Oui, et quand il y a de la moquette, il est en mode alerte, alerte. Oh putain, ouais. Ah là 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 là. Oh si. Non mais franchement c'est trop bien fait par contre. Je suis fier. Putain ça taf si fort. Ça donnerait presque envie de faire chez soi. Je vais pas le faire mais ça donnerait presque envie. Ouais. Ouais. Ah mais chez toi t'es pas payé. Mais c'est pour ça. Ouais. Pourquoi nettoyer sa maison gratuitement? C'est con. Bah, faut vraiment être un connard. Ouais. Ah, mais je suis sûr que là je vais me retourner, je vais voir qu'il me reste encore énormément de choses. Oh mais là le bit tout crade, lui peut-être est jaune en dessous en fait. Je suis sûr que là je me fous. Le stégosaure. T'es encore sur ton stégosaure? Bah mec il est gigantesque. Par contre là je le vois, il a changé de couleur. Ah t'as vu? Bon bah ouais. Regarde pas l'autre côté. C'est plus le même. Ah. Ok. Et alors les connards de paléontologues, le stégosaure il était violé à dos jaune? Ah ça vous embouche un coin ça hein. Ah ouais bah vous aviez peut-être tort. Eh ouais ça peut arriver. Eh ouais. Alors ça j'en suis plutôt fier. Mais attendez j'aurais pas fait un taf monstre. Ah bof. On va faire ça quand même. Faut pas se moquer du monde. Putain mais ça se trouve avec du savon ça nettoierait mieux en fait. Bah ça dépend s'il faut tout le temps racheter du savon ou si une fois que tu l'as c'est bon tu l'utilises quand tu veux. Non je crois qu'il faut toujours. Ça coûte tellement pas cher. Ça coûte genre 10$ qu'à mon avis c'est à recharger tout le temps. Ah putain ça c'est chiant quand même hein. Ouais. Ah c'est comme ça qu'ils te prennent toutes tes thunes hein, je te le dis hein. Bah oui, c'est pour ça les machines à café ça coûte pas cher, mais t'as vu les recharges? Eh ouais. Ouais, ouais, faut pas se faire avoir. Hein. Tu prends un verre d'eau, une dosette, tu l'as ton café. Le crevard. On se crée des besoins. Putain. Oh, faut que je décompresse, je vais faire un banc après. J'ai fait tous les bancs. Ah non, il y en a d'autres. Non, il en reste un derrière moi. Oh mais c'est que plus sale. Oh j'ai chaud putain. Et pourquoi t'as pas amené ta clim alors qu'il fait 45 degrés? Ah la flemme comme tout Damien, la flemme. Bah elle est très très loin de où t'habites. Non elle est à ma cave en bas mais... T'es une merde. C'est lourd, c'est loin. Oh là. Oui j'ai juste genre, à la mettre dans l'ascenseur. Qui mène à ta cave. J'ai bah juste voilà, à la mettre dans l'ascenseur et alors c'est lourd. C'est lourd, c'est chiant. Oui il y a des roulettes non, et alors bah, c'est lourd. Dès que j'ai su qu'il allait faire chaud je l'ai remonté hein. Ouais mais toi t'es un vilain cochon là, t'es en sueur là putain. Bah non mais justement aussi. Avant d'être un vilain mouillé. Cochon je me suis dit que je vais pas mouillé. L'être. Je suis tout mouillé. Ah putain. Oh putain, bon. Bon le stégosaure là, c'est bon, il est bientôt fini. Le stégosaure. Eh bah j'ai fini Boucher. Le... Je pense que j'ai fini le sol. Trop bon les steaks hachés façon Boucher. Putain moi je me prends des petits filets de drumsteak à chaque fois quand je vais chez le boucher parce que je me dis je suis pas riche pour rien. Mama, je suis allé chez le charcutier tout à l'heure, j'ai pris des paupiètes de dinde. Oh c'est bon oh, ça papa. Eh faut s'écouter hein, faut se faire plaisir hein. Sinon ça sert à quoi? Ouais. Oh, nous on est là pour vivre, pas pour survivre.
Avec vos subs, je ferai des grands projets. Nous, on s'achète des paupiettes de dinde. Paupiettes. Des steaks hachés de façon des filets de rumpsteak. Et des filets de rumpsteak. Voilà quoi, ça voilà sert. Voilà ce qu'on fait avec votre fric. Eh ouais, mon gars, y a pas de projet ici. Pas de tabou. Steak façon bouchère. J'aurais peut-être dû la prendre cette clim. Ça commence à devenir pas beau à voir. Ça commence à peser. Ça coule. La peau ne fait plus qu'un avec le siège. Ah non, vraiment. C'est bien beau d'acheter une chaise à plus de 1000 balles, mais si elle est trempée et souillée. Dans quoi je m'embarque? Non, sérieux, là, le. Il est. Il est quasiment super bien fait. On genre, va aller ça voir, devrait me dire Kling. On va aller voir. Oh, c'est Kling! Oh là là, j'arrive, il a Kling! Oh putain! Non, il est trop luisant et magnifique! Eh, le boulot qui a été fait! Je vais faire son tour. Son sol. Je vais t'aider de loin avec mon rotatif. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce que le vert c'est assez efficace pour nettoyer? Oui, bon, ça va! Moi je prends. Jaune. Avec emboulon. Et c'est un mec qui a fait tout le parc par terre qui te le dit. Hein. C'est des astuces que... de femme de ménage. Ou d'homme de ménage. Oui, de technicienne de surface. Bien sûr. On peut dire les deux. Ouais. Voilà. J'aurais aimé avoir une pluie de GG quand le stégosaure était nettoyé, mais bon. Oh bah crois-moi, quand j'ai quasiment fini le sol et que je suis passé à autre chose, personne n'a dit non, mot. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, oh, c'est les gens trop tard. Hein. Tu vois, mais ils arrivent sur le lieu de travail, tout est nettoyé. Il n'y a pas un bravo, pas un merci pour le personnel non. qui a... Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche, dans la gueule. Dans la grosse gueule, la gueule d'un gras que vous avez. Ouais. Vous allez typiquement vous êtes des gens qui vont en charcutier acheter des paupiettes de dinde et des steaks hachés façon bouchère. Attends, on se fait cette poubelle. Oh, viens à deux, on se fait poubelle et ensuite oh, on se fait. Oh la salope. Tiens, prends ça. Tu le mérites. Allez, le bon. Et hop là, pareil. Enfoiré. Wow. Attends, moi je vais pas me faire avoir parce que je sais qu'en dessous il est bien dégueulasse. Bien vu. Ouais, propre. Propre. Ouais, putain, et le travail voilà. A dit bien fier. Et voilà. Bon, ne bah maintenant il y a plus. Il reste. Il reste ah non, tout... non, attends, la roue. Allez, on fait ça, c'est marrant ça. Toi, c'est la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai commencé à faire quelque chose d'intelligent. Et toi, tu secoues ton bite. Mais regarde la surface que je fais. Regarde ce que je fais là. La surface moi, que malin. Je fais est dingue. Mais moi, je suis ton aspirateur Dyson là. Il se fout de ma gueule. T'as secoué le truc partout. Mais pas du tout, je faisais des grandes lignes belles. Des belles lignes. Puis là, je fais le plateau central. Et là, il n'y a putain. Pas plus méthodique. Les barres. Parce que là, central. Les barres... J'ai une petite strat avec les poteaux, je manie le R comme personne, tu vois. Je passe ah, en ouais. Vertical latéral. Ouais, c'est propre ça. Ça, c'est propre, ouais. Ouais. C'est satisfaisant quand la barre elle luit bien là. J'aime bien. Franchement, c'est du bon taf. Ah, je vois que c'est encore bien crade par contre. On bosse bien. Hein. Ah, sous les barres. Ah là là. Faut attaquer haute pression parfois. Hein. Sous les barres, c'est vicieux. Hein. Mais c'est toi qui es en train de me dégueulasser le sol avec tes godasses. Avec ah non, mes grosses va. Chaussures. Non. Oh putain, le truc en dessous. Il est super crade. Ah merde. Olé. Mazette. Alors attends. Bon. Ça. Putain de merde. Quand faut y aller. Attends l'échelle. Comment je
Tu peux me prendre l'échelle? F. Je te la mets où? T'as vu? Elle est où? Je la mise où? Ah, elle est derrière. Ah. Ok, olé. Faites le parcours. Ah, mais ça m'est jamais venu à l'esprit. Vous avez 8 ans, quoi. On est ici pour travailler, hein, quand même. On est là pour bosser ou pour s'amuser comme des gamins? Oh là, faites le parcours. L'employeur, vous pensez qu'il veut, il veut qu'on fasse le parcours? Pas sûr. Moi, je l'ai mon bac. Si vous êtes sage. Ok. Et regardez où j'en suis. Voilà. Oh, les, tous les barreaux. Oh, tous les barreaux. Quel plaisir. Putain, c'est vraiment fourbe. Il y a de la saleté en dessous. Dans le doute, dis-toi, il y a de la saleté partout, les gens. Ouais, c'est ça. Les crânes, les gens partout, sont là, dégueulasses. Partout, ils peuvent chier, ils vont chier. Mais les gens sont des chieurs fous, hein. Dès qu'ils peuvent poser une merde, ils le font, hein. Trouve-moi un honnête citoyen dans ce monde qui a pas déjà chié ou pissé dehors. Mais même moi, j'ai honte, mais j'ai déjà chié partout. Ah, hein. Chier là. Comme un rat. Dans un... À 23h, à minuit, y'a personne, personne nous regarde. Tu chies, grosse pêche. C'est bon, t'es là. Il est 3h du matin, tu sors sur ton palier, tu fais ça sur le paillasson du voisin et t'as rien fait, et alors? Mais parce que c'est... Voilà, t'as envie, c'est tout. Mais c'est animal, c'est comme ça. Qui n'a jamais... Bon, c'est bon. Bon, là, c'est super bien nettoyé. Ça, ça cligne plus. C'est... Ça cligne plus. C'est pas mal. Tu crois que toute la structure... Quoi, tu me l'as bien faite, là. Au-dessus, non. Au-dessus, il y a les barreaux. Il faut les nettoyer, mais... Oh, je m'en occupe, mais à mon avis, c'est... Tous les barreaux du dessus, là, sont sales. Ouais. Non, je pense qu'avec ton... Ça a dû toucher l'eau, tu sais. Ça fait le tour, vu que c'est un tube pas fin. Espérons. Ah non, pas du tout. Ouais. Ah ouais, mais attends, c'est un enfer. Ça, c'est pas sale, ça. Ouais, un peu, ouais. Parce qu'il y a les côtés des poteaux, peut-être. Ouais, non, mais là, les barres, en fait, c'est qu'il y a tous les côtés à faire. Ok, c'est bon. Ah, oh, ça a fait clean. Cage à écureuil nettoyé. Nice. Elle est nickel. Oh, l'intérieur de ça, c'est horrible, la cage. Mais ça, c'est une cage, ça, c'est quoi, ça? C'est horrible. Oh, c'est crade. Parce que ça, il y a plein de petits recoins, là. Non, mais là, la moisissure s'est déposée. Oh, c'est chiant. Ouais, c'est de la moisissure, en plus. Voilà. Bah, maintenant, vous dites tout le temps GG. Oui, c'est... j'apprécie un peu plus. Bon. Sympa. Vous êtes un... Ouais. Il a quand même fallu vous pousser un peu pour être gentil, hein. Bah, il a fallu le demander, mais bon, ça... Être gentil, qu'est-ce que je dis? Être reconnaissant? Oui. Faire... Donc vous êtes gentil? Ceux qui habitent dans des bureaux et trucs comme ça, quand c'est nettoyé, hein, et que vous passez devant l'agent d'entretien ou la dame d'entretien... Vous lui dites un GG. Voilà, un petit GG, un bon ça GG. Fait pas mal. Et mode GG au technicien de surface. Parce que bon... Ça commence à avoir de la gueule. Ah, il y a plein de petits... Ouais, c'est les petits recoins de merde, ah, c'est entre les lattes du bois, là. Entre les lattes du bois, c'est chiant. Bah, mais à mon avis, au-dessus, là. C'est du détail. Je pense qu'il faut qu'on fasse le... Ouais, faut pas perdre de temps. Par contre, les petites barres, là, ça, c'est vicieux, ça. Ah, je peux plus me relever. Oh. Ah ouais, je vais faire tous les côtés. Oh, le jet rotatif là, mais je jouis. Mais c'est que c'est en plus, c'est vachement efficace en précision. C'est, ça marche bien, sur les trucs précis. Fort. C'est très cool. Ouais. Tiens, la petite passerelle, ça.
Nettoie ça. Oh putain, c'est horrible les barres, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Je m'occupe de la passerelle. Ah! Qu'est-ce qu'a Gling? Le poteau d'escalade. Et je suis content parce que j'étais en train de dire que c'était chiant. Je peux grimper là-dedans là? Qu'est-ce que je peux. Voilà. Oh là là! Oh putain! Ouais. Je l'ai trop ôté parce que c'est cracra. Hein. C'est dégueulasse. Oh, il y a tellement. On est à 58%. Ouais, ouais, je m'en doute. Hein, parce que franchement, on dirait qu'il reste juste la structure. Mais putain, il y en a partout. Ah! C'est horriblement crabe. Il y en a qui oseront dire qu'on n'est pas des bosseurs chez Wankil. Putain de merde. Non mais c'est clair hein. La hey, charge de travail. Les autres avec leur gros projet de merde, ils se sont déjà tapés à faire un jeu pour enfants, nettoyer en entier. Hey, c'est marrant parce que tous les les mecs, les streamers qui font des gros projets, mon cul là, vous les verrez jamais ils sur ce jeu. Charbonne et tout, ouais. Jamais ça ira se casser le cul à faire ce qu'on fait là. Jamais. Ils vont faire la camionnette, après ils vont se dire bon les gars, on change de jeu. Putain. Là ça clean. À tous les coups, faut que je me fasse les coins là. Ici, on mérite son embout. On va le chercher. Ouais. Eh bah, c'est nickel, la passerelle est clean. Ah, c'est cool ça. Si seulement je pouvais ramener 15 connards d'abonnés quand même. Ça irait plus vite hein. Puis ça leur ferait plaisir, comme d'habitude. Mais oui. Vous, ça peut ressembler à de l'exploitation, mais c'est pas du tout. Mais non, ça leur ferait plaisir d'aider. Vous ne demandez que ça. Mais quand on va à deux, ça va plus vite. Ouais. Comme quoi peut-être que s'entraider peut servir. C'est un peu exigu du coup, c'est chiant. Ouais, il faudrait qu'on se trouve un. Tu vois c'est genre pas... chacun fait son coin quoi. Ah, ça y est, ça veut déjà plus coopérer. Je vois. Ça reprend des couleurs. Hein. Mais les gosses jouaient là. Bah, ils attrapaient des maladies, hein. C'est très clair. Hein. Bah, c'est au bout du 15ème gosse mort cette année qu'ils se sont dit bon, on va peut-être retirer des clous et nettoyer un peu. Un petit coup de polish. Parce que là. Ah, tu bloques mon jet. Si je devais donner 1€ à chaque fois que tu bloques mon jet, je serais pauvre alors qu'il est. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai toujours fait très attention à ton jet donc ça m'étonnerait quand même. Ah, mais bon. Dis-toi que j'ai dû changer d'endroit à force que tu me le bloques. Ouais, d'accord. Oh bah vivement qu'on passe à autre chose hein, parce que là l'ambiance est horrible hein, sur ce. c'est dur. Ici c'est mal fait mais bon on a l'habitude. Alors là, crois-moi que après on n'en fera pas du tout ensemble. Alors les modules seront faits chacun de son côté, chacun son module, parce que là c'est. Écoute. Quand t'auras fait un stégosaure tout seul, tu pourras te dire que t'es bon au nettoyage. Ah, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait pouvoir bosser ensemble main dans la main, mais quelle erreur. Quelle erreur, évidemment. Ah ouais, mais putain, les toits, ils sont pas faits. Eh ouais, c'est pour ça, ça va pas valider, hein. Même l'extérieur, là, les extérieurs sont pas faits. Ça se fait pas tout seul. Oh putain, y'a tellement à faire autour. Ah. Non mais je vais pas faire tous les tours de la corde, c'est bon. On prend pour un j'ai con. J'ai fait là. Ça au barreau aussi. Quoi? Ah oui, bah ouais. Non mais j'ai fait le tour des barreaux et en fait. Ouais, c'est horrible. Non mais ça va vite. On ouais. Dirait comme. Et ouais, au final, bah ouais, c'est, tu passes plus de temps à râler qu'à travailler. Bon fou.
Putain! Ça le validera tout seul, ça, certainement. Ah non. Oh, ça, c'est bien, ça. Mais c'est nettoyé, ça! Eh ben, c'est nickel! Bravo pour ton toit. Oh là là! Oh là là! Ok. Je Quoi? vois que ça va pas Une nettoyer remarque? ici. Une remarque? Une suggestion? Que tu fasses ton travail, éventuellement. Ah, il me saoule! Ah putain, il me saoule! Non, je plaisante. Non, mais tu t'améliores! Ouais. La police arrive. Putain, Parce que t'es une on merde! entend toute ma vie, c'est horrible! Du coup, je suppose que je dois me taper le toit. Il est énervant. Hein. On va taper ça avec le jet rotatif. Ah, ça va pas assez loin, putain. À tous les coups, je dois changer d'embout. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est très grave. Ah ouais, bah ouais. Oh non, sérieux? Me dis pas que ça marche comme ça. Ça marche comme ça. J'aurais dû le faire depuis le début. De quoi? Mais je suis carrément plus rapide en faisant ça. Avec le rotatif plus emboulon. Je te nettoie le toit en 2 secondes. Oh putain le... Ah oh ouais, comment le toit il s'en va? Enfin c'est... Il va décoller là le toit. C'est très large. Oh là, je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Ouais non, je vais me calmer. Je me calme. Ouais. Ah mais l'emboulon c'est parfait quand tu veux faire un truc à distance finalement. Et ok, voilà. Le mec avait pas compris alors que c'est quasiment dans le titre quoi. Bah dis-toi que si j'étais plus rapide que toi en comprenant pas, imagine maintenant que j'ai compris. Bravo. On va te décerner la médaille du meilleur technicien de surface. En l'intérieur. Touche pas à mon... C'est un hashtag? Touche à ton cul en fait. C'est un hashtag. Ah voilà, il vient, il met son petit grain de sel. Ah, bah, j'ai tout nettoyé. Bah oui, il finit. Bah, tu, comme dans FPS. Il finit. Il finit mes kills. Putain, j'ai tout fait. C'est un monde. Hein. C'est un monde. Un job qui doit être quand même plus agréable en solo. Et un jeu aussi. Je vais mettre une review. Je recommande le jeu en solo. J'ai déconseillé avec un entre guillemets ami. Ça ne sert à rien. Soixante-quatorze, c'est vrai, hein, ça avance fort. Bon, ce sera intéressant de voir combien de pourcents a été fait par chacun. Sachant que. Si. Il y a un banc, pour le texturage, vaut mieux pas que il y a on eu ait la banc, stat. Un banc et un stégosaure pendant qu'un mec faisait tout le sol de la map. A mon avis, si c'est moi qui récolte l'argent, c'est parce que je dois se dire bon, il y en a un qui bosse, donc on va oui, peut-être pas confier à ceux qui point font rien. Pour le jeu de merde, une seule personne des deux qui a de l'argent, hein. Effectivement c'est une bêta, hein. Ça... on l'a vu les gars. Bien vu le mode bêta. Mais on a plus que celui-là à faire, mais ça va à une vitesse. J'aurais pas dit que ça allait hyper vite non plus, mais... C'est vrai. Mais oui, ça a été. Oh là. Oh, comme c'est sale. J'espère qu'ils vont compter la balance... C'est pas une balançoire, c'est un toboggan. Ah oui, ce serait con. Allez, la dernière ligne droite. Allez, plus que ça. Oh putain. Notre mission la plus difficile à ce jour. Ah putain, mais c'est pas vrai qu'ils m'ont foutu le truc comme ça.
C'est vraiment des cons, hein. Incroyable. Ah, quand je fais tab et que je vois qu'il y a plein de petites traces de caca partout, ouais, mais ça me... Oublie les petits. Oui, les petits, c'est... Voilà. On a bien compris que le jeu, il valide quand... Quand t'as fait le plus gros, surtout sur une très très grande surface. Oh le toit. Oh le vilain. Putain, je suis obligé de passer au jaune, quoi. Genre, ça veut pas accepter. Il y a certaines couches de crasse qui doivent être attaquées avec un jet puissant. De crasse. C'est chiant. Certaines couches de crasse. Putain, mais moi, quand je lave mon prépuce, c'est au moins du jet jaune. Hein. Le vert ne suffit pas. Jet jaune directement dedans avec un boulon. N'essaye pas de faire du bleu ou du vert, hein. Ça ne fait rien. La crasse reste. Ah putain. Ah, j'arrive au bout de mon effort là. Je suis claqué là. J'ai l'impression d'être au bout d'une journée de boulot. Au final, ça fait pas longtemps leur travail là. L'autre on a fois... fait ça en combien de temps? L'autre fois, je regardais Zen, l'émission sur Twitch, et oui. Ça parlait de trucs, de problèmes d'anus, tu vois, genre de problèmes de cul, genre oui. Hémorroïdes, tout ça. Et genre, je crois qu'ils étaient quatre sur le canapé, ils étaient tous en mode « Ah ouais, non, mais t'inquiète, moi aussi, ça m'est déjà arrivé et tout. » C'est quoi cette dinguerie? Genre, j'aimerais faire un sondage dans le chat. Anonyme, ça arrive à combien de gens sur... Eh ben, moi, quand j'en ai parlé à mes potes, finalement, personne se l'était dit entre eux et tout le monde en avait eu. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Genre, allez, sondage. Plus de 26 ans? Non, faut pas que les enfants répondent. Ils vont niquer les stats. Ah ouais? Oh, c'est... J'en ai déjà eu. Oui, problème à non, j'ai moins de 25 ans. Oui, non, moins... Ok. Oui, non, moins de 25 ans. Pour le sondage, le meilleur sondage à ce jour, je pense... Problème à si vous avez déjà eu et que vous avez moins de 25 ans, vous pouvez être oui quand même. Le content ne respecte pas les lignes de conduite. Problème au trou fignon. Un sondage est actuellement en cours. Ah, problème d'anus. Oui, ah bah voilà, un sondage a été fait, il n'y a pas le choix en moins de 25 ans. Quel choke. Quel choke de la modération. Ah bah non, c'est annuler le sondage. Ne tenez pas compte de ce sondage honteux. Qui ne reflète pas du tout le mode de vie des Français. C'est du mauvais journalisme, il faut qu'on recommence. Eh ben, comme quand un truc est mal fait hein, par tes employés, faut faire soi-même. Tiens, Heiser qui a fait le sondage. Bah, t'avais pas besoin de dire son nom, j'aurais deviné. Marrant. Marrant. Ah, et puis oh, lui, il l'a mis long, pas nettoyé, hein. Il l'a mis long son sondage, hein. Combien de temps? Je sais pas, mais il est pas fini, hein. Putain. Il m'emmerde avec son sondage. En plus, Heiser 100%, il a voté oui. Il s'est précipité de le finir pour voter oui. J'ai arrêté le sondage, bien vu. Alors, je le fais. Paul. Problème. Trop fignon. Non, c'est des gens vont genre, au moins une fois, si vous avez déjà eu. Problème d'anus. Oui. Non. Moins de 25 ans. Je mets 2 minutes pour qu'on en profite au maximum. Le content... Mais comment t'as marqué anus en problème au trou du fiac? Non, non. C'est de la merde, c'est comme Twitch bug de ouf, faut le refaire plusieurs fois et faut changer plein de fois le mot. Bah je mets problème au trou duc. Ça ne respecte pas. Non mais c'est trop. Non mais c'est en fait pour commencer plein de fois, c'est vraiment de la merde. Mais putain. Au troufion. Au troufion il a kiffé, c'est bon. Au ça a été long. Balle poilu, j'essaye de voir. Putain c'était chiant hein. Alors, donc on a 60% de moins de 25 ans, déjà. Bien, vous êtes dans la fleur de l'âge. Profitez bien, vous verrez.
Allez-y, qui a mangez-y au kebab. Les avertis. Il y a 20% de oui, 20% de non, mais j'aime pas du tout là. J'aime pas du tout comme c'est. Eh ben, ça fait une personne sur deux de plus de. Non, oui, 25 en fait c'est énorme. En fait, c'est énorme. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Je te dis, on était à un terrasse. On est quatre à parler. On parlait. J'aborde le sujet en mode, allez, tabou. Et là, tout le monde commence à avouer. Bah ouais, moi, écoute, j'en ai déjà eu. Et là, ils sont en mode, tu me l'as jamais dit, mais moi aussi j'en ai eu. Et ça tombe bien de t'en parler. J'ai un kyste au cul en ce moment même. On est tous en avoir eu, on se l'est jamais dit. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, tout le monde. Putain, mais c'est j'ai pas hâte. Un truc rare. J'ai hâte d'avoir un problème d'anus pour en parler avec mes amis. Ça va arriver, hein. C'est une question de temps. Parce que là, j'ai pas grand chose en commun avec eux, faut que je travaille. Ok, 100%. Tu leur dis, eh les gars, putain, je sais pas vous, mais moi, j'ai des hémorroïdes au cul, ils vont te faire putain, mec, mais t'inquiète, moi aussi, tu les auras bluffés. Ils avoueront parce qu'ils croiront que t'es de leur côté. Imagine, t'as cette discussion et tout le monde te regarde comme si t'étais un pestiféré et que tu puais du cul. Genre, c'est chiant, non? Bah, les gars, venez, on en parle, non? Vous aussi, non? Ah, vous pouvez pas me relever. Mais non, je peux pas me relever, il est con ce jeu. Ouais, c'est chiant. Tu peux te. Il y a deux niveaux de trucs, mais après tu peux pas te relever. Tu t'allèges. Elle est longue cette cabane là. Putain, j'allais doubler et elle veut pas se laver, hein. Cochonne. Comment ça peut être excité là. Imagine les nettoyeurs, ils disent des trucs comme ça là. Ah, cochonne, t'aimes ça être sale, hein. T'aimes ça la grosse boue là sur tout ton corps là. Allez, on part sur le toit. Ok. Ouais. Donc 60% de moins de 25 ans. Est-ce qu'en 20 et 20. Comment? C'est pas fini, hein. Il y a encore plein de taf. Hein. Ouais. Parce que tu dis le toit en mode c'est fini, mais. Eh, 96%, c'est tout ce que je vois. On ruine pas le moral des troupes, on est pas mal. Oh ouais. Oh le store. Oh toute cette face là elle est sale. Oh bordel. Ah, ce mur d'escalade est super crade. Si je m'y il attendais. Est super propre. Le toit, bon évidemment le toit, hein. On va aider, on va se mettre en mode turbo beat. Mets-moi un coup de turbo-bit, toi, s'il te plaît. Ah! J'suis tombé. Ah, bah t'es pas obligé de descendre, hein, c'est pas fini. Ah, tu fais un travail de sagouin. C'est dans le détail après, hein. T'as juste à passer sur du large et. Ouais. Et c'est fini, hein. Putain, c'est honteux. Mais t'as fait n'importe quoi en fait. Ah. Alors, ah bah voilà, au moment! Tabouret. Tabouret. Cela? Tabouret. Putain, en dessous. Oh les jolis tabourets là. Putain. C'est en dessous. Hey bingo. Ça télécharge directement de la cet vidéo. Endroit. Waouh. Oh, mais putain. Ça c'est vraiment du terrain jeu incroyablement propre. Mais les gosses vont s'amuser comme des fous là. Oh ça fait plaisir. C'est zinzin. Putain, fais voir le timelapse. Oh. Ah, deux doigts d'aller me chercher de la rosette. Non, arrête. Pour me récompenser là. Oh, non, par contre, on a. Oh mec, tu verras qu'on a vraiment bien bossé parce que. Au début, c'est un peu l'anarchie. Chacun fait un truc de son côté. Bon, tu verras, Stegosaur, il est très bien fait. Mais quand on commence à s'y mettre à deux. Ah oh, là, bah c'est. Là, on voit que ça va extrêmement vite, j'imagine. J'ai bientôt la vidéo. Ça, c'est vraiment un travail de fou. On a 1035$. Et si on changeait de jeu? Lancez-lui des pierres, lancez-lui des boules de merde. Lui, tu vois, il doit avoir un appartement très crade. Ouais, et une hygiène désastreuse, il pue la merde. Oh, c'est magnifique. Fils de pute, insultez-le. Non, franchement, ça se voit à la fin de la vidéo, putain. Ça y a une progression logique. T'as vu? Après, on voit qu'au milieu de la vidéo, on s'est engueulé, mais après, tranquille, ça. Mais ça a quand même démarré de tout à droite, et ça avance progressivement. Ouais, ça et va. C'est vachement bien fait.
Équipement. Ah mais je peux pas les posséder ces trucs-là. Je peux taper dans du savon. Ah Là, il y a du liquide de ouais les nettoyage, gars, apparemment mais. le mec qui voulait changer de jeu il est raciste aussi. Bouh! Ouais, Bouh! bouh! Horrible en 2022, horrible! Hey, tu sais quoi? Tu fais tes achats? Allez, mets-toi en rupture de stock. J'ai dépensé plein de thunes. On a plein de savons. Plein de savons différents. Nice. Ah, j'aurais peut-être dû économiser pour un nettoyeur haute pression de meilleure qualité. Les grandes questions de la vie. Ah, bon, écoute, tant pis. Alors, je peux te proposer. Ouais, pour patienter. Pour se mettre en jambes. 100 dollars. Allez, petite pause. Oh, la voiturette de golf. Celle-là, je veux que ce soit un speedrun. Allez. Le conseil, petit tips de nettoyeur, le vert, c'est suffisant. Je prends mon meilleur embout. Le vert, c'est suffisant, mon gars. Je nettoie bien en dessous là. Voilà. Oh là 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 là! Eh, c'est un speedrun, c'est un speedrun. Faut que ça Putain, c'est nettoie. classe hein. Faut que ça nettoie. 95%, 95%. Oh là 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 là! Ça va vite! Et puis ça switch vite, hein. Moi, c'est du R. Tac tac tac, 99%, coussin de siège! Bon, alors là, les gars. Alors, chiant le jeu, pas ouf le jeu. Alors! Là, bah là, c'est un PB, hein. Pas le temps de respirer, putain, Non, mais incroyable. sérieusement, on arrête le timer. Bon, hey, le speedrun. Oh la Oh, vache. oh la La vitesse de vache. nettoyage, je vois ça, hein. Go Je vois ça dans submit la le vidéo. temps là, c'est trop. Ouais, speedrun.com. Alors maintenant, j'ai du gros boulot. Soit j'ai le bungalow, soit j'ai une maison individuelle. Mais je te parle que des surfaces extérieures. Mais le bungalow, vas-y, on va faire le bungalow. Oh là là, on va lui faire un boulot au bungalow. Ça part. Alors bon, Ouah, bah il y a du savon. Il y a du savon si ça nettoie mieux, je sais Ouais pas, bah, mais c'est cool que t'aies ramené le savon parce que... Attends, je vais tester le savon. Liquide, aucun nettoyeur relié. Quoi? J'ai acheté du savon. Attends, c'était quoi la touche qu'on m'a dit tout à l'heure? E? Genre ça m'a ouvert une roue. Ah! Tu sais? C'était 3. 3. 3? Ah! Liquide universel, pierre, plastique, métaux. Pourquoi C'est quoi comme matière? ça te le montre en haut à gauche? Ah, c'est du bois. Ok, je vais tester avec du bois. Mais moi j'en ai pas. Tu crois que toi t'as des C'est-à-dire? savons et pas moi? Ce C'est serait possible. dégueulasse. C'est vraiment une bêta, hein, une bêta de fils de pute. J'ai pas de J'ai pas de liquide de savon. nettoyage. J'ai pas de liquide de nettoyage de toute façon. Ah, bon, ça va alors. Sympa cette bêta. Plutôt bien Ah! faite. En bout à savon. Je l'ai acheté. Oh putain! Ouais, d'accord, mais ça nettoie vachement mal. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais ça nettoie vachement mal. Je vais péter un plomb. Qu'est-ce qu'il... C'est. Bah, tu l'as mis pour bois. Bah oui, c'est pour bois. C'est du bois, ça. Ça, c'est Ça du c'est bois. universel, mais ça c'est du bois. Ah, mais peut-être parce que. D'accord. Genre, ça marche bien ici. Ok, ça, c'est universel. Ok. 3. Universel. Je change le savon. Ok, ça nettoie du grosso modo. C'est pas mal le savon en vrai. Ouais, bah moi j'ai pas besoin de ça pour faire du bon travail. Admettons, je vais commencer cette surface. Non, c'est de l'arnaque, mec. Ouais, genre là le verre, je galère. Là, c'est de l'arnaque. Ah Je ouais? suis en train de. C'est nul. Oh, après. Ah, c'est pour Ah, ça c'est qu'on juste du m'avait. savon, faut nettoyer ensuite? Non. Ah putain, mais c'est horrible! Parce qu'on n'a pas besoin de ça! Et comment on remet de l'eau? On Genre fait que parce perdre. que On le. fait genre. On perd du temps en fait à faire ça. Bah oui. Comment on met de l'eau? Pour rincer. On va juste perdre du temps dans ce cas-là. Change d'embout. Mais les gars, pardon, mais on me baise. Tu t'es fait baiser. Encore une Scamed. publicité mensongère.
Alors qu'on peut se faire soi-même ses produits à la maison. Mais ça fait rien quand je rince. Mais c'est de la couille. Vous mélangez un peu de vinaigre blanc avec de l'acétone, ça vous fait le même résultat pour moins cher. Je parle comme le vieux qui présente les fromages sur TikTok. Ouais, je sais pas trop d'où venait cette voix. C'est pour pas que le couteau colle au fromage. Ah, j'ai finalement pas regardé ses vidéos à lui là. J'sais pas, j'aurais dû. Et pourtant, c'est vraiment. Enfin, c'est ton gars sûr normalement. Ah, ça. je m'en doute, mais je sais pas, j'ai zappé. Faut que je le follow. Mais j'ai un mauvais TikTok, du coup, je vais jamais sur TikTok. Mon algorithme, il est. J'y vais jamais, moi. C'est mon trop dur. Mon algorithme, il est éclaté. Moi, c'est sur Insta, j'ai réussi à avoir un algorithme drôle. Enfin, ça me propose que des vidéos d'animaux, mais bon, écoute. Bref. Moi ça me fait marrer. Moi bof hein. Eh les petits chats là, marrant ouais, là. Il est rigolo le petit chat là. Les petits chiens. Eh regarde le petit chat. Eh putain, si un jour il y a mes likes Insta qui fuitent, vous allez voir le nombre de vidéos de chiens et de chats. Bah moi il y a... que je like. Avant il y avait des meufs et des chats et maintenant il y a que des mecs. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mur. Genre le mur est nettoyé là. Pourtant il y a des trucs dégueulasses partout. Oh le sol. Mais tu... Ça t'est pas venu à l'idée de nettoyer le sol? Quel sol? J'ai pas fait ça. J'ai jamais fait ça. Ah les vitres là. Ah ouais, je m'en occupe la vitre là. Elle m'énerve. Hop. Ah la petite vitre. Ah on va même faire. Voilà. Ouais bah ouais. Bah écoute, au pire je fais le test avec le savon si tu veux, avec les vitres, mais non, pas là. Là elles sont trop propres. Oh le toit. En fait, faut faire un travail d'équipe. Je balance du savon, tu nettoies à l'eau. On verra si ça marche. Ouais, tu veux dire que je pourrais peut-être prendre un gigajet grâce au savon, ça va tout nettoyer facilement. Bah peut-être que ouais, si tu prends un jet large et vu que j'ai mis du savon, j'ai ça bouge bien. J'ai pris un gigajet, ça va assez vite là. Ah. C'est ça. J'ai des petits bouts partout hein. J'ai l'impression que ça nettoie pas très bien le jet blanc là. Ouais, je vais prendre le vert hein, c'est chiant mais... Le sol devrait être nettoyé là, je comprends pas. Ouais, c'est. Oh la vilaine gouttière. Ah bah voilà, je me disais bien. Ça, j'ai envie de. Elle est clean la gouttière. Pas tout à fait. Ah. Oh, non, mais c'est l'intérieur de la gouttière qui doit être ouais. Dégueu. Ah, je mets l'échelle. Bingo. Oh là là, la gouttière. Qui kiffe là? Qui aime ce qu'il voit? Ah ouais, le toit il est caca. Putain. Ouais, il est dégueulasse là. Il est horrible. Je m'en occupe. Tiens, faudrait faire un test sur les vitres là. Ok, je vais faire un test. Toi, t'es le scientifique de l'équipe là. Tu testes tous les produits. Ah. Attends, viens. Viens avec moi. Ok, je prends du nettoyant pour vitre. T'es où? T'es derrière? Ouais, je suis derrière. Oh là, elle est dégueulasse derrière. Ouais. Ok, c'est parti. Putain. Ça marche. Ça marche? Ça a un peu vénère, ouais. Mais. Ok, sinon sur les autres. Tiens, fais-le sans que je fasse le savon sur celle-ci, voir si ça marche. Ok, et avec. Oh. Tu dirais que ça va plus vite? Ah, mais là je l'ai quasiment nettoyé ouais. En fait. Regarde tout seul. Juste faire un jus comme ça. Je sais pas, ça m'a pas l'air si worse hein, mais. Bah là, regarde.
Après, oui, t'as un jet bien global et bien. Ouais, il englobe. Tiens, regarde, je vais le faire sur celle-ci tout seul. Attention, vous prenez votre embout. Non, mais genre, ouais, c'est assez. En vrai, c'est efficace. Ouais, t'as un périmètre d'action qui est assez vénère. Ah, c'est pas mal. Tu dois en racheter ou pas? Bah, ouais, c'est ça le problème, c'est que le liquide, faut que j'en rachète régulièrement. Moment, n'arrête pas de m'écrire. Moment, n'arrête pas de t'écrire. Non, t'as pas reçu le SMS là? Non. J'ai un SMS dans le jeu, ça me dit Moment, n'arrête pas de m'écrire. Et alors, qu'est-ce que. C'est quoi cette merde? Qui veut jouer CSGO? Là, je peux la grappe, je nettoie. Ah, pas qu'on bosse? Eh, on n'a pas le temps de jouer aux jeux vidéo, nous, hein. Ah non. Ouais, je vais prendre le jaune parce que ça va, au bout d'un moment. Il faut prendre de l'embout moyenne portée là. Oh le toit comment il. Comment il est large. Ça me saoule. Ah bah ouais, il y a le toit à côté aussi. Excellent. Ouais, il y a plein de toits. Ouais, il y a plein de toits. Excellent. Bon, ça c'est pas mal. C'est du détail après. Oh mais ça se nettoie vraiment bien. Et là. Hein. Ah bah ouais, toi t'as du savon. Moi j'ai pas de savon. Oh, j'utilise pas le savon là. Oh, je fais ça à l'ancienne. Je suis sur de l'universel là. Et toi, le savon que t'avais là, c'est pour un truc spécifique? C'était pour du verre? Ouais, j'ai pris savon pour verre, j'ai acheté tous les savons possibles en fait. Oh là là. Si tu veux essayer sur une surface, je te mousse un truc. Full équipé le mec. Dans le toit, bah, tu vois, si tu veux faire l'autre côté du toit. Tu me fais l'autre côté du toit et on voit. Alors attends, je termine cette surface de mur. Parce que là, j'ai fait un pan du toit. Je vais bien le finir. Mais là, franchement, c'est pas mal. Bon, c'est plutôt propre ce côté-ci, là, ça devrait être calmé. Ah, nickel, bah, c'est bien ce que je me disais. Nickel, le toit. Alors, l'échelle. Avant, après. Eh, ça fait une bonne pub pour, pour l'entretien. Oh, c'est crade. Ouais. Ok, alors, il est en universel. Bon, on fait ça. Alors, nettoyer universel. Attention. Ah ça. Ah ouais, franchement. Ah ouais, y a pas photo. Bah. Ça dégrossit le travail de ouf en fait. Ouais, mais tu sais, y a du détail à faire encore. Ouais, après y a du détail. Ça vient pas au même. Tu repasses sur du détail, mais je sais pas. En fait, quand c'est full crasse, tu repasses plusieurs fois, tu vois un peu. Mais là, je pense que c'est du superficiel et je vais pouvoir passer rapidement. Genre avec ça, peut-être pouvoir passer un peu rapidement. Par contre c'est super toxique, hein. Il y a plein de fumée qui se dégage de mon bousin. Voilà. Et pourquoi ça se décrase pas là? Ah, remettre du liquide de nettoyage. D'accord. Ouais, bon là... Je sais pas où est la barre de liquide de nettoyage en fait. Avec le gros jet ça reste un peu inefficace je pense. Mais le verre, je pense que c'est bien. Oh wow, oh, nettoie là. Hey. Ça nettoie rien là. Waouh. Comment il nettoie rien ce fils de pute? Ah ouais, il reste un peu partout, c'est chiant. Surtout vu que là il en reste un peu partout, t'as pas envie de le faire de manière ordonnée, du coup tu vas un peu partout. Peut-être qu'en dégrossissant de zinzin, ça va être suffisant. Peut-être. Parce que là bon. C'est un peu fait n'importe comment là. Ah bah là. Genre là je suis prêt à entendre gling. Là c'est terrible, bah ça pourrait parce qu'en fait il reste que des petites taches. Mais il en reste beaucoup.
Oh, il en reste vraiment que des petites. Oh, hein. Il en reste pas énormément non plus, hein. Peut-être qu'il y a une autre zone qui compte. Peut-être que la gouttière c'est indépendant. On va voir. Bon, allez. Peut-être que. Non, franchement, c'est bien fait là. Quand même, putain, c'est exigeant. La cheminée. Satané cheminée. La cheminée, ça devrait être bon là. Cheminée, ah. Oui, d'accord. Oh, sous le toit. Ah, mais ça, c'est le mur. Ouais. Ah, mur. Il manquait pas grand chose. Hein. Ah, non, c'est pas le toit. Hein. Ah bon? C'est mur. Parce que là, je vois des trucs qui. Gouttière, ouais, d'accord. Là, je vais faire c'est le goût. T'es sûr que c'est pas le toit? Bah, je vois des petites. Ah, ici, ce sera c'est un vrai, c'est truc. Pas le toit, t'as raison, il y a encore des petites taches. Mais celui-là, je crois que c'est bon. Hein. Ce ah, toit-là, à mon avis, il est bon. Ah non, il y a. Non, c'est juste ce toit-là. C'est que ce toit-là qui. Trucs, qui doit besoin d'être nettoyé. C'est le porche, en fait. Allez, genre là. Les détails de ce truc-là, c'est fini. Non, c'est pas ici, à mon avis, c'est il faut nettoyer tout. Ouais, ouais, c'est. C'est bon, on a fait le boulot. Oh, la gouttière là. Bah, c'était bien payé hein, par rapport au truc de jeu pour enfants. Bah, de toute façon, moi je l'ai fait toute gratuite depuis le début, donc bon. Mais non, mais on est. Bon, c'est vrai que le savon n'est pas partagé. Ah, le savon n'est pas partagé. La rémunération ah, non c'est plus, tout. Honnêtement. C'est bah, si, la rémunération est partagée. Puisque quand j'achète un produit, tu l'as. Ouais, ouais. Fort heureusement. Tu n'es pas ouais. libre des achats, par contre. Non. Je prends ce qu'on me donne. Ok, Porsche, fais. Toi de Porsche, c'est bon. 937$. Oh putain. C'est dégueulasse. Tu as aussi le Je savon. Je te conseille de faire E et de. Et de sélectionner le nouveau nettoyeur. Oh, je sens okay. une certaine puissance là. Urban XU2, nettoyeur haute pression. Oh, c'est spécialisé dans la. Les trucs très sales comme les graffitis. Mais ça fonctionne pour tout du coup. On peut s'en servir pour oui, tout, c'est... je pense. Oh, c'est il est juste sympa. Pour faire vendre. Hein. Le Urban X. Oh là. Fait plaisir ça. Est-ce qu'il y a plein de nettoyeurs genre là on en est qu'au deuxième mais genre il y a des dingueries après. Bah là où je vais péter les plombs c'est que les embouts que j'ai achetés précédemment sont plus compatibles. Ah. On a plus le jet rotatif. Non. Je vais peut-être péter un plomb du coup. Et on a plus le truc à distance. Non. Ah, je vais peut-être péter un plomb du coup. Peut-être revenir ça, ils l'ont pas précisé sur le manuel de vente, hein. Putain de merde. Et ils te vendent ta merde. Et puis quand tu veux t'en débarrasser, bah tu peux te brosser. De toute façon, ça vient de Chine. Moi, je suis revenu à l'autre. J'ai l'habitude de bosser à distance, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Ce vilain mur. Voilà, c'est bientôt finito là. Boum! Boum boum! Oh là 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 là! C'est magnifique ça! Non mais là ça va être fini là. Putain, j'ai beau chercher, mais c'est. Je ne vois que du travail bien fait en tournant autour de cette maison. Hein. Elle est faite cette fenêtre là. Alors, là, il y a quoi on là dirait pas. On dirait pas qu'elle est faite. Ah non, ouais. Elle n'était pas faite.
ça va pas tarder ça. Alors ça normalement ça devrait être bon. Hein. Boum. Oh putain, le rebord de la fenêtre. Je vois pas de quoi ils se plaignent, hein. Cadre de fenêtre, ouais. Oh les rebords. C'est quoi ça? Tiens là, toi, que je te frotte. Qu'est-ce qui... Y a pas d'indication sur ce qu'on doit... Là, c'est propre. Hein. Ah, ici. Il nous reste une fenêtre et trois poteaux. Tu le vois où? Quand je fais échappe. Ah, ouais. Ah, brique, gouttière. Des gouttières, tiens donc. Donc t'as mal fait des gouttières. Possible. Oh bah, c'est très très mal fait ça. Je suis passé rapidement la gouttière, j'avoue. J'ai pas vérifié. Ah oui, bah je vois, et voilà. Et brique. Qu'est-ce qu'il me veut, brique? La gouttière, c'est pas celle-ci. Ah, c'est celle-ci, elle écrase celle-ci. Et brique, c'est où, brique? Brique, Où est-ce qu'il y a de la brique? Est-ce que ça c'est fait? En bas il y a de la brique, en bas de la maison, mais... Ah là, là, ici. Ah oui. Eh ben mon putain, cochon. Qu'est-ce qu'on est allé vite. Oh putain. On va de plus en plus vite sur le nettoyage, hein. On s'est régalé, hein. Et Kaka dit, bah gros GG. Bah franchement, énorme GG, je dirais. Ouais. Non mais c'est vrai, mérité. On a fait un excellent taf. Truc de ouf. Hein. Fais voir. Oh putain. Le timelapse toujours aussi jouissant. Ah ouais là. Heureusement que je fais du TD avec la mousse parce que ça a fait la différence. Ah, hâte de voir cette vidéo. Ouais, ça c'est encore du taf de professionnel. Hein. Mais appelez-nous hein, si vous avez besoin de... rémunérer bien sûr, mais appelez-nous. Faudrait qu'on fasse une vidéo où on nettoie quelque chose dans la vraie vie maintenant. Oh. Quelle fine idée. Pas sûr de celle-ci. Lol, Terracide, nettoie ma voiture. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Nettoie-moi les fesses. Et il nettoie mes fesses à la fin, lol. En bout turbo urban. C'est acheté ça. Oh, belle vidéo. Oh, le toit. Oh là là, le extension toit. Urban. J'ai acheté aussi ça. Ah, dinguerie. J'ai acheté des extensions, si tu veux, pour... Ah, je vais peut-être l'utiliser, du coup. Je vais peut-être changer d'avis, là. Extension courte. T'as pas l'extension longue? Non, je l'ai pas encore à l'argent, il me manque 100$. Putain. Ah ouais? Eh ben, souffle encore une fois. Tu verras, je vais t'amener devant une maison qui va te faire encore plus souffler. Oh non, il va me ramener un château là, c'est trop. Oh, oh la baraque de vieux croutons puants. Oh, putain, c'est horrible. Je sais même pas par où commencer. Elle est crade entièrement. Y a rien qui va. L'entièreté de la baraque. Je vais commencer ici. Je vais commencer là. Putain, mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment des abonnés. Hein. Pourquoi ils ont limité à 2 joueurs? Putain, c'est... Ouais. Franchement, c'était pas limité à 2 joueurs, mais 100% on vous faisait venir. Hein. Vraiment. Ah oui. Hein. Parce qu'on vous aime. Mais on vous aime tellement. On se tue à vous le dire. Putain, j'ai pas l'embout à peinture. C'est pas plus gros comme embout? Je crois pas. Bah, y a ça, mais c'est pas assez efficace en fait. Ça, c'est le vert, c'est vraiment le grand maximum. Sinon, après, le vert, c'est très large, mais vas-y, ça nettoie rien quoi. Le blanc, c'est très large, c'est vraiment très très large, mais je l'utilise jamais. Y a pas de situation où il marche bien. Peut-être qu'avec le nouveau nettoyeur haute pression, peut-être. Mais faudrait. Ouais, mais avec de l'argent. Mais il boss faut... Il me faut un emboulon pour ça.
Ah ouais, je suis trop loin, c'est. Ah, la vidéo va être satisfaisante avec ce que je suis en train de faire là. Très satisfaisant. Oh là là. Oh, tous les barreaux. Tous les barreaux, c'est une blague. Il va me taper tous les barreaux. Oh putain, ça nettoie rien ça. Aïe aïe aïe, ça me fait mal aux yeux quand je fais tape, ça me fait mal aux yeux tellement il y a des trucs à nettoyer. Tout jaune. Ça brille de partout. Ah, c'est horrible. Ah, je pense qu'il faut qu'on fasse la façade hein, pour se faire du bien. Ouais. Oh, il y avait des briques. Des belles briques. Le Porsche, il va être ultra chiant à nettoyer. Mais la courte portée. Ouais, je peux essayer, je l'ai jamais essayé. Hop, urban, extension courte. Ça donne quoi ça? Oh la dinguerie! Jet blanc courte portée, ça marche. Nettoyage pour vitre. Ah, les gars, jet blanc courte portée, ça a l'air. Alors, sur les surfaces précises, ça a pas l'air fou. Mais alors, regarde. C'est vraiment. Regarde cette porte de garage, ce que je lui mets. Oh, c'est bien nettoyé ça! À voir hein! Oh, le graffiti. Le nettoyant pour vite par contre ça vaut le coup, c'est trop un truc de ouf. Il y a un graffiti qui demande qui a plus de résistance. Intéressant ça. Ah ouais? Un nouveau challenge. Je peux en faire mon affaire. Il nous faut l'outil haute pression. Et bah voilà. Bon, j'ai pas pu le faire mais. Et pour le bois là. Ouais, je pense que c'est une bonne solution la courte portée là, avec ça. Je suis d'une grande lenteur, mais ça fonctionne. Ah, c'est un petit peu imprécis le blanc, mais bon. Ça nettoie bien cette merde. Je sais pas. J'aime pas trop le blanc. Et ça fonctionne bien ou pas? Ça va. Et allez. Je suis en train de faire la partie la plus agréable. Après, ça va être horrible. Et moi, avec le savon, je m'éclate là. J'aimerais trop avoir du savon, mais j'ai 0 dollars. C'est très cher. Mais ça vaut le coup quand même. Si t'avais pas acheté ton putain de savon, on aurait pu avoir un emboulon sur le Urban X. Non, ça c'est du 10$ la bouteille, c'est vraiment pas ça qui crée un trou dans le budget. Hein. Tu m'as dit 100$ tout à l'heure. Non, je dis 10$ la bouteille. Oui, il manque 100 dollars, dit... il manquait 100$ pour voilà. La... Oui. C'est ça. Mais... Ça, je parle de ça. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a aucun rapport. T'as pas acheté 10 savons, par exemple. J'ai pas fait rupture de stock sur tous les savons qui existaient. Ouais. Ce serait con. Bah ouais, on savait pas leur utilité, t'aurais pas tout acheté d'un coup. Bah non. Non. On n'achète pas sans savoir. Surtout que ça sert qu'à toi, donc t'aurais pas fait ça avec notre argent commun. Alors là. Non. Mais tu prends pour un con en fait. Ouais, non, désolé hein. Quel con. Bravo pour les briques, trou de balle. Ouais bah j'entends pas beaucoup de gling, c'est ce que j'allais te dire là. À bah moi je suis en train de faire du gros. Ouais bah moi aussi hein, je te dirais. Mais bon. Tu me préviendras quand ah, tu c'est de la brique ça. Ouais en fait le problème c'est qu'il change de savon à chaque surface qu'il trouve. Donc forcément c'est très long quoi. Alors que moi je nettoie, juste je nettoie, je suis dans la simplicité. Ah, c'est dur à nettoyer des marches. Non, faut que j'arrête le savon, c'est pas worse finalement. Putain. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je sais pas, c'est. Ça nettoie, mais il reste plein de petites taches partout et au final. Est-ce qu'on perd pas du temps à revenir sur les petites taches? Bah, c'est ça le problème. Au final.
Alors que moi. Allez. Là, les deux allées de devant, ainsi que la porte du garage, sont entièrement nettoyées. Un bon vieux coup de karcher à l'ancienne, il n'y a pas besoin de ces savons à la con. Bonne pression dans Comment la gueule. Comment faisaient nos parents avant? Oh, ils avaient pas mis le savon. Les bruits de pas sont horribles, des fois ils font des trucs bizarres. Il faut pas en demander trop au jeu. Ouais, c'est vrai. Et bah de rien. Oh, ça je vais le faire. Oh, ça je vais le faire. De rien. Alors ça, ça c'est honteux. Putain. Oh merde. Putain, c'est bien haute pression cette merde, hein. Ah, par contre là, achète-moi mon embout. J'ai le droit. Tu peux parler comme ça à ton employé? J'ai le droit, j'ai pas eu de savon, j'ai rien eu. Bah, tu sais quoi, ton embout coûte 250$, ta gueule, et travaille. Tu m'offres jamais rien, tu m'as. 250$ l'embout qui coûte. J'ai fait les deux allées. Il manque des choses. Hein. J'ai fait les un mur. Sont pas bons. J'ai fait un mur. 232$, bah hey, mais aide-toi plus de trucs si tu veux du fric. À 250, tu achètes ton embout. On gagne combien par truc qu'on nettoie là? J'en sais rien, nettoie, tu verras bien. Hop, plus mais non, 3$. Je vois pas l'argent moi. Moi je vois plus 3$ là à chaque fois. Mais c'est nul plus 3. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai, j'y ai pensé là. Surtout que sans jet haute pression là, à longue distance, je ne pourrais pas finir ce mur. Je suis dans l'incapacité de travailler. Mes monteurs qui disent, ah bah si je ne m'achète pas un nouveau PC à 6 000€, je ne pourrai pas faire les montages, malheureusement tu dois me l'acheter. Bon bah je change d'outil, voilà. Il y en a déjà un qui t'a dit qu'il pouvait pas compiler? Ah là c'est une galère. Oui mais ils ont pas eu la... ils ont pas le culot de me demander de faire un PC. Bah, Terra, voilà mec, c'est... c'est tendu pom, pom, hein. Ah, je suis bloqué, on est bloqué hein. Le gars qui met des mains sur séance. Ah là y a pas de vidéo pour la hein. Ça c'est la commu déçue hein. Ah, ouais. Ah j'aurais bien une solution mais bon Compliqué. Bah t'as mon adresse. Oh le graffiti là. Je l'ai fait avec le nouveau Karcher le graffiti. Et c'est parti direct hein. Ouais ouais c'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais quand le graffiti il est tout en haut de la maison? Ah, c'est là que tu as besoin de l'embout. L'embout long. Bah, j'ai repris le. Ouais, bah, repris encore 3$ et tu l'as l'embout long. Hein. Ah ouais? Comme ça? Ouais, c'est bon. Si tu m'offres l'embout long, je te jure. Je te ouais, jure. Tu sais quoi? Tu seras la plus heureuse des femmes. Je vais te. Ouais, allez, je l'achète pas, dit ta mère. T'avais qu'à. Allez, s'il te plaît. J'allais cliquer sur acheter. S'il te plaît. J'allais cliquer sur acheter. Allez, là, je suis dans le menu. Là, ça me ferait tellement plaisir de le voir, la longue tige. Ah, elle est coquine, elle est pour toi, celui-là. Putain. Et tu me récures tout ça bien. Fais hein. voir, fais voir. Oh là 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 là. Alors là, je vais mettre tarif. Tarif à cette maison. Damn. Hop là, ça commence déjà. C'est Terra qui touche ton argent, mais je sais. Non, c'est l'argent de la boîte, c'est pas son argent. Ah ouais? Oui, oui, bah, c'est livré pas... à Amazon, ce mois-ci il s'est fait 3 milliards d'euros, mais il a pas touché tout. Qui me dit que tu fais pas autre chose avec l'argent là? C'est vérifié par un commissaire des comptes. Ok. Dans ce cas. Engagé par moi-même. Hein. Ah. Et c'est le commissaire, c'est moi. Oui, on peut avoir deux métiers. Je change de casquette. Ouais, c'est commissaire. C'est comment d'avoir deux métiers aujourd'hui hein. On s'en sort plus. La cadence de travail a vraiment changé depuis. Le porche est nickel, mais je pense qu'il faut monter sur le toit.
Ouais, là, on a une échelle? Attends, d'abord j'ai des doutes sur la rambarde. Parce que j'ai bien fait le travail, mais quand même. Tout ça vont gâcher alors qu'au final La je vous refais future tout. rambarde. Ah ouais, effectivement, c'était. Ouais. Mais en fait, ça aurait pu être nettoyé. Bon, par contre, là vraiment, c'est le toit. Hop là. Non, on va chercher C'est une pas le toit, échelle, hein. c'est pas le toit, c'est pas le toit, c'est dégueulasse. Qui a fait ça? C'est le toit qui est dégueu. Qui a fait ça? Ouais, c'est le toit. Mais ça reste honteux. D'ailleurs, c'est une partie Oh, ça sert indépendante plus à ça? rien, ça. Ah Attends, non, attends, non, attends, non, 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 non. cette cheminée là, elle va pas se nettoyer toute seule, hein. Ah, elle est pas sur toi la cheminée là. C'est d'une efficacité cet embout, mais putain! J'ai bien fait de te faire chier, hein. C'est magnifique, hein. Wouah! Quel bonheur! Oh, mais t'as rien fait à l'avant! Oh l'enculé! Alors ça, j'aurais pas osé! Alors ça, c'est culotté! Oh putain! T'as vu quand je Tu peux viens, ça fait regarder, ding! hey, regarde cette. Tu marches sur quoi là? Et ça? Et regarde à droite. C'est Bon, c'est propre, vrai hein. que c'est très propre à droite. Mais bon. Mais moi, ouais, le Mais truc, c'est enfin. que j'ai fait tout le derrière déjà. Ah ouais. Tout le derrière. Tout le derrière. Bien heureux, hein, qu'il ait fait tout le derrière. C'est une belle maison, finalement c'est une belle maison. Non, mais c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on nettoie, hein. On dirait pas, et en fait, elle est magnifique cette maison. Tu peux pas m'acheter une extension? Non, mais il y en a plus en fait. Tu m'offres jamais rien. C'est vraiment une femme qui dirait ça à son mari. Tu me bloques mon jet. Et avec Et j'aime grand pas dire ça. plaisir. Ah. Mais il va se C'est mal nettoyer cet fait. encadrement de fenêtre à la C'est con. mal fait. Je vais t'aider. Bah, bizarrement, tout mon côté est nickel, ça brille plus. Mais voilà. Ah, ouais, je le disais bien. Pas de C'est de son problème. côté. Oh la rambarde elle est compliquée hein, putain. Voilà. Putain, c'est cracra, hein. Oui. Putain, si après tout ça je nettoie pas chez moi, c'est vraiment que je suis con. Bah, moi le problème c'est que j'aurais trop nettoyé ici, quoi. J'aurais plus Ah ouais, d'énergie. après t'as plus envie, ouais. Bah ouais, c'est normal. Bah, oui. Même vous, hein, je vous aurais sûrement pas envie demain. Bon, hier j'ai regardé 3 heures de nettoyage chez Wanky, je vais quand même pas nettoyer Oh, je maintenant. vais me taper, c'est bon. Voilà, j'ai plus Oh. envie, forcément. Comment vous en vouloir? Vous avez raison, c'est normal. Ok. C'est jamais nettoyé cette putain de rambarde, hein. C'est un problème, hein. Mais putain, ça va se frotter, ça? C'est quoi qui est sale là? C'est le Putain dessous? de merde! Elle a pas envie la rambarde! Putain! Ah, mais tu t'allonges pas assez, je pense. Parce que là, je regarde et tout est Ouais. crade en dessous. Voilà! Ah, tu vois? Ouais, c'est moi qui. C'est grâce à moi ça. Ah, ouais, c'est pareil, t'as rien fait en dessous. Ah, ça sert à Putain! rien de cacher la merde sous le tapis, hein. Mais quel acteur, putain! Tout est parfait! C'est pas nettoyé, hein, quand on fait ça. Bon, on va changer de zone, je vais aller sur le toit pour pas te voir un moment là parce que ça m'énerve. Allez prendre mon échelle. C'est la mienne, c'est ma société. C'est la mienne. Mais putain, c'est pas possible, il a osé. Allez On hop, crache on pas crache sur par les. terre, c'est pas chez nous. Hop là, c'est chez moi et je suis pas payé. M'en fous.
Et bah de rien pour l'argent qui rentre là. Ah, c'est des tâches un peu relou ça. Ah, c'est horrible. Enfin, c'est pas mal comme embout quand même. Hein. L'emboulon? Ouais. Eh oui. Je peux me taper la fenêtre là alors que je suis en bas. Eh ouais, c'est incroyable. Ça fonctionne tellement bien. C'est un petit miracle, un petit bijou de technologie. Oh là, la gouttière en Karcher là. Putain. Ah ouais, putain, tu fais ça. Eh hey, tu sais que je t'ai fait l'embout tournoyant, hein. Ah oui, c'est vrai. Oh bah là, pour la gouttière, c'est idéal. C'est le petit Jésus en culotte de velours, ce vélo là. Ah bah c'est propre. Pas mal. Je vais me faire des gouttières, moi. C'est sympa, les gouttières. Toi, tu fais un peu ce que tu aimes, non? Je me trompe? Tu fais un peu ce qui te plaît. J'aime, c'est nettoyer, peu importe ce que c'est. Tout à l'heure, t'as vu un gros dinosaure, tu te dis, oh, c'est rigolo, ça, je vais aller le faire. J'ai regretté, au bout de 10 minutes. Oui, c'est parfois ça a l'air rigolo et puis. Est-ce que dans le monde du ménage, il y a des débats sur les différents types de brosses? Certainement. C'est sûr que oui. Certainement. Enfin, si à notre échelle, il y en a. J'imagine que dans le monde du ménage, c'est encore plus virulent. D'ailleurs, un leader du marché. D'ailleurs, des qui produits jure de... que par carton truc, mais. Des produits de nettoyage uniquement réservés aux professionnels. Ouais. Attention, ceci est à usage professionnel. Moi, quand je vois ça à chaque fois dans les rangs du magasin, j'achète. Hein. Je dis, bah, on parle de moi. Oh, je suis un professionnel du ménage. Hein. Je sais y faire. Ça fonctionne, ça? Ouais, ça va. J'en viens pas à bout de cette vieille gouttière là, je sais pas pourquoi. Voilà. Oh, c'est gros. Oh putain, je m'étais pas retourné. C'est vilain. C'est vilain. Mais j'ai fait n'importe quoi, c'est du travail de merde. Ok. Bon, j'avais pas fini de nettoyer, ça me l'a validé. Bon, un peu frustrant la facilité que te donne le jeu, mais bon. C'est vrai que des fois, il devrait te faire chier. En fait, quand c'est un grand truc, il est pas très regardant. Ouais, et c'est ça, je suis pas d'accord parce que bon. C'est pas au fou de réfléchir comme ça. Bon. C'est long parce qu'après, il y a le grand toit, je crois. Et ça, c'est pas rigolo. On va faire comme ça. Voilà. C'est propre. C'est très ça propre. Ça se nettoie bien comme ça. Hein. C'est très propre ce qui a été fait ici. Et là, c'est pas mal. Ok. C'est parti pour cette merde. Je vais rêver du bruit du jet, c'est pas possible. T'en fous plein la vue là. C'est mieux comme ça le chat. On s'y croirait hein. Eh, dans la vraie vie ça fait un bouton de poulet diable hein. Bah oui hein, ça fait partie du métier. Ça vous réveille un peu là, je vous sentais un peu. Vous reposiez un peu là. Ah, c'était ça la gouttière, d'accord. Faut tout lui dire.
Personne m'a rien dit. Hein. Autodidacte, j'ai compris par moi-même. Je suis nettoyeur autodidacte. Oh, ça, faut que j'attaque ça avec du jet au moins vert. Blanc, ça marche pas. 76%. Ah, quand même. On a bien avancé. J'aurais dit hein. plus. Ah, j'aurais dit moins. Pour moi, on était à 50%. Je pense qu'on était, on est sur la dernière partie, là, j'ai l'impression. Il y a le grand toit, après. Je vais te le laisser, parce que j'ai quand même marre de faire des toits. Non. Ah, si. Je suis occupé déjà à ah faire, ouais là. Ah, merde. Non. Non, mais le jeu m'envoie des SMS, mais je m'en fous. Je ne veux pas, je vais y rejoindre, mais je me suis renseigné sur les symboles effrayants que vous avez trouvés sur le côté de la maison où vous travaillez. Ah, c'est les voleurs. Ils ont fait un signe. Ah, c'est comme les gitans quand ils font un signe avant de te voler. Ils ont mis la croix sur la baraque. Ça veut dire OLED 4K, PS5 et. Ah putain, ils ont évolué. Moi à l'époque c'était juste une croix, ça voulait dire bon bah faut la voler. Elle est pas mal celle-là. Non, maintenant ils mettent des détails. Carrément, ils mettent une liste écrite, ouais, genre y'a pas de y a pas de code. Oh, il en restait plein, il en restait plein, arrêtez. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Arrêtez, franchement. Oh, ça me saoule. Non, non, on est là pour bosser, hein. Faut pas nous mâcher le travail comme ça. Arrête. Alors là, c'est du détail, à mon avis, c'est... Oh, la façade. Il y a toute une partie de la façade qui est vachement... ça va pas du tout, quoi. Oh là 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 là. Oui, en hauteur, tu veux dire. Ouais, bah... Normal. Là, quoi. Oui, ah, bah... Ouais. Oui. Ouais, bon. Eh bah, j'y vais. C'est chier. Pour moi, on était plus avancé que ça, quoi. Puis on gagne rien comme fric, là, depuis tout à l'heure. 262$. Alors on aura un gros bonus à la fin, non? Une fois que c'est fini. Bah, imagine, non. Le total, c'est là, on se le fait petit à petit. Ah putain, j'en aurais vraiment pas. Parce que ça sent... Je le sens venir, le machin, là. Tu bloques mon jet. T'es encombrant. Oh. T'es gênant. Mais je vous le dis, hein, moi, je vais travailler avec les AirPods. Hein. Ouais, bah, ouais. Entendre moi ta gueule de con. C'est le mec au boulot hésitant un peu sur les insultes. Ça fera un beau bouquet final pour la vidéo, ça. C'est-à-dire bah, on ah, nous verra tous les deux ouais. Sur la façade pour terminer. Ça va être sympa. Bon, j'aimerais pas être l'intérieur de la gouttière, à mon avis ça doit être dégueulasse. Ouais. Tu m'as poussé ? Oh putain, mais non, mais j'ai glissé aussi. Ah ! C'est pour faire chier le monde. Oh non. Qu'est-ce qu'il a encore à me dire là ? Ah ! Où est mon échelle ? Alors. Bah super le placement de l'échelle. Qui sont cons. Voilà. Ah mais comment on va faire. Hop 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 hop. Bon je le fais en gros parce que j'ai bien compris que la perfection ils en ont rien à foutre. Ah mais avec le toit en fait je me demande si je devrais pas attaquer ça au savon. Bah y'a des taches qui sont, tu vois les petites taches jaunes là, j'ai l'impression ouais, que c'est plus... jaune marron, c'est bien incrusté ça. J'ai l'impression que ça c'est un peu plus vénère. Donc peut-être que ça va nous aider. Beaucoup pour de savon temps, là-dessus. Essayons comme ça. Ouais c'est des vilaines taches hein. Ouais mais ça se nettoie hein.
Oh là là. Ouais. Je regarde un peu ce que vous dites dans le chat là. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup d'autres choses que le jeu, je trouve ça étrange. Ça vous intéresse pas le nettoyage? Ouais, c'est pas votre truc. C'est pas vous qui le faites à la maison, c'est ça? Alors, j'y vais au tourbo réacteur, mais bon. Ah, c'est vous du coup qui le faites, ah, c'est bien, j'ai eu un doute. C'est bien. Ah bah ça marche bien avec cette astuce là. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'y vais avec le petit tourbillon à distance au loin, et au final je nettoie le toit comme ça, et au final, bah, même depuis le sol, ah ouais, ça fonctionne. Je bah tu vois, je me suis tapé la cheminée des deux façades avec cette technique. Ah tiens, pour une grande surface. Ok. Ouais. Okay, okay. Et le fait que ça tourbillonne, c'est pas mal. Oh, on va y avoir de la finition. Oh putain. Non mais ton échelle là, comment tu y accèdes? Ah bah faut le faire en plusieurs fois. Oh putain. La pranquette, je lui enlève l'échelle, il ne peut plus descendre. Ok, je lui enlève l'échelle pendant qu'il est dessus, il est mort. Toit nettoyé. Il nous reste fenêtre, 1. Cadre de fenêtre, 4. Boiserie, 11. 10. Facias, 1. Ah, je vais aller faire le facias. Oh, la grosse bite. Oh, la grosse bite. Oh, elle est belle. Il l'attaque à distance. Elle est belle, la bite. Oh bah non, il m'efface ma bite. Plus de bite. Oh. Peut-être peut falloir une échelle là. Ça va être un peu long si on fait. Oh bah comme quoi. Ouais, mais il y a un cadre de fenêtre après. Putain, je vais chercher une. Tu rigoles ou quoi? Je vais y arriver avant que tu ramènes l'échelle. J'y arrive pas. C'est ça le prank, c'est que je te ramenais absolument pas à l'échelle de toute façon en fait. Il y avait pas de défi ou quoi, c'est juste que j'allais pas te la ramener quoi. C'est drôle. Oh, c'est drôle ça. Génial. Félicitations. Non, ça j'ai tout fait. Hein. Bah voilà, il y a 2-3 cadres de fenêtres que tu n'as pas fait. Ah, un petit tilt. Il va tomber de ce toit, merde. Pas de côté, hop, c'est safe. Alors les boiseries de merde là, il reste un petit pixel quelque part. Ah mais là c'est galère, ça va prendre du temps ça. C'est quoi qui reste là, je comprends pas. Là il y a des petits pixels ici là. Ouais mais c'est forcément pas les petits pixels. Ah tu sais parfois. Bon là j'avoue que... Je vais sauter, oui. Putain, merde. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que là... Bord de l'allée, fascia, haut de cheminée. Ok, cadre de fenêtre, ici c'est bon. Haut de cheminée, je te le fais en 2 secondes. Ah. Ça. J'avais pas vu ça. Oh. Voilà pourquoi il est là, lui. Nickel. Eh ben c'est bon. Alors il nous reste bord de l'allée, fascia. Ah bah en dessous là. Oh il y a beaucoup de choses. Ok, je sais exactement les boiseries. Il y a énormément à nettoyer en fait. Bord de l'allée, fascia. Boum. Ah toutes les boiseries sont dégueulasses, hein, c'est marrant. Ah ouais, bord de l'allée, il nous a rien fait ce gros porc. Ta gueule. C'est moi qui fais le bord de l'allée, il est parfait. Et la fascia, c'est quoi la fascia? Fascia. C'est... Je l'ai fait tout à l'heure et j'ai oublié.
Véranda, mur. Fatia, je m'y connais pas, moi. Je suis pas architecte d'extérieur. Le chat, vous savez tout, c'est quoi une fatia? C'est une... Oui, oui. C'est quoi? Sur Google. C'est une pizza. C'est une pâte à pizza. C'est le rebord de toi. Ah, fatia, c'est ça. Il reste une boiserie et un cadre de fenêtre. Et pas la fatia? Pas la fatia. Mais si, la fatia. Elle non, doit être faite. Pas la fatia. Si, si, si. Non, c'est fait. Regarde, et là, là, je vois de gouttière déjà. Donc c'est pas bon. C'est une boiserie que tu dois voir. Putain, elle est où cette vilaine boiserie là? Putain, pour la trouver. Ah, trouvé. Fatia! Cadre de fenêtre. Boiserie. Gouttière. Ah, je me souviens d'un mec qui a un moment qui a dit je m'occupe des gouttières. Bah, elles ont été nettoyées donc du coup je comprends pas. Bug du jeu? Suivez mon regard. Bug du jeu donc. Bon, la gouttière là, bah elle est, oui, elle est bah, nickel du coup. Alors, l'autre gouttière, bah elle est parfaite, nickel. Donc c'est bel et bien un bug du jeu. Ça va encore être ma gouttière le problème. Ça doit être celle-là. Ici là. Non. Ah merde. Ah, c'est celle-ci. Bah où est-ce que... Derrière? Putain, on lui donne tout, hein, pourtant. Bah... On lui met tout, hein. Bah, je veux dire, elle est plus propre que propre, quoi. L'échelle sur le toit. Merde. On est tous les deux en bas et l'échelle est en haut. Oui mais regarde, on a un escabeau. Ouais. Pas ouf hein. Oh. Bon, cette gouttière là, ça doit être ça. C'est pas possible. Oh, mais... alors ça, c'est un cadre de fenêtre qui a été très très mal fait par contre. On parle de qui? Bah, je sais pas qui s'est occupé de la face avant. Ce que je sais, c'est que c'est pas moi. Voilà. Il me fait chier, lui. Il m'emmerde. Oh, la gouttière qui a pas été faite du tout, mais c'est pour ça. Mais tu m'étonnes. Mais de quoi il parle? Ah bon, vous pouvez continuer hein. Tu me feras la boiserie aussi. Boiserie. Ah non, la boiserie c'est compliqué là. Comment tu veux la trouver? Mais elle est là, la boiserie. Pop. Eh ben, c'était pas de tourpeau celle-ci hein. La jauge en haut à gauche. Ah, oh, j'ai pas fait gaffe les gars. Oui. Ouais, ouais, alors fais voir. Ah putain, et quand tu nettoies l'allée, on voit que le boulet est bien fait. Bon, moi je suis derrière, on voit pas, mais c'est très bien fait. Ouais, le début, je savais que ce serait satisfaisant. C'était assez ordonné. Mais derrière, on voit pas. C'est un travail ingrat. Ouais, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, ouais, bah, c'est les bosseurs dans l'ombre. Hein. Ouais, ouais. 50% du boulot qui a pas été filmé, ça c'est vraiment con quoi. Tu me diras peut-être tant mieux qu'il ait pas été filmé parce que. Bon. J'ai envie de tester un truc. Est-ce que ça te dirait pas? Si, bien sûr. Bien sûr. Pas de problème. Tu prends 4 abonnés. Tu crées une game. En jeu libre et on les ramène. Ah ouais, et ils le font. Oh, ouais, et nous on regarde. Oh bordel. Les doigts de pied en éventail.
On voit Un s'ils mojito. bossent bien à 4. Bon, qui veut venir là? Ça fait les malins, ouais, c'est trop chiant et tout. Allez, Qui a le jeu qui est déjà battez-vous. installé, qui a Battez-vous pour. limite déjà de l'expérience dans le jeu, genre. Qui a déjà le jeu d'installé Alors, et est prêt? jeu libre. Voilà, jeu libre. Je pense qu'on va faire un lieu. Rejoindre le jeu libre d'un coop d'un joueur. C'est. Quoi? Ah, mais moi j'ai aucune mission. J'ai aucune mission. Ah. J'ai rien. Parce que j'ai pas fait. Puisque le jeu considère que Ok. je viens d'installer et que j'ai rien fait. Saloperie de Bah merde. moi j'ai. Bah il faut que tu me transmettes les codes amis à ajouter. Ok. Et faut qu'ensuite, une fois que je les ai ajoutés, faut qu'ils me parlent sur Steam parce que je pourrais pas les retrouver. Qui on va prendre là? Mettez. On va leur prendre la baraque. On va Si voir si ça bosse bien. vous. Si vous avez le jeu installé prêt dans la minute, eh bien, envoyez votre code ami. Ouais. Je te Ah, et ben attends, on a Ours qui a déjà le truc, donc ça nous en fait déjà un, j'invite. Aidin. Comment on invite? Voilà Alan qui a le jeu installé. Voilà Oclissan qui a le jeu. Merluc. Ah, Merluc, ok. Ben, il en faut que deux encore. Par Bizarre contre, qu'ils se fassent j'aimerais pas la même bien. taille les Kodami. Vous trouvez Comment ça pas? se fait que je peux pas t'inviter? Comme si quelqu'un avait envoyé un faux code ami. Attends. Rejoindre le jeu. Non. Comment j'invite une autre Tu personne? peux pas inviter, je crois qu'il faut aller dans le jeu libre et il faut rejoindre quelqu'un. Ah bah écoutez, Ah non, quoique toi Merluc tu m'avais et... invité, je crois. Non? Bah toi ouais. Mais t'es pas dans ma session là? Non, je le suis plus là. J'ai été Eh ben dégagé. essaye de faire le truc de rejoindre le jeu libre. Tu m'envoies plein de codes amis là. Donc je Bah prends ouais. lesquels? Ah, prends ceux qui... M'en Il y en a fous. un qui a chiffre en trop, j'hésite. Alors là, j'ai pas d'amis en train de jouer pour moi et t'es pas en train de jouer. Pardon. T'es pas en train de jouer, je te dis. Voilà. Change lieu, la maison on a déjà vu. Ah, ok. C'est bien parce qu'en fait, t'as raison, connard. Les trois autres, c'est pas des trucs qu'on a déjà fait du coup. Ouh. Alors lui, il aurait bien fait tourner sa langue trois fois dans sa bouche avant de parler. Active le jeu coop. Ouais, je t'en supplie. Ah putain. Je t'en Ok, supplie. inviter un ami. Ok, je peux te rejoindre. Link. Bah maintenant, s'il y a des gens qui sont Ensuite. amis avec toi, ils pourront te rejoindre. Oh là là, comment je vais pas toucher une seule fois à mon jet? J'ai pas un Pour l'instant, outil personne ne touche au G. cocktail? Merluc, il a rejoint, j'ai l'impression. Ours aveugle aussi. Ok, alors attendez. Ouais. Merde, Faut que cette j'ajoute bonne équipe de les amis nettoyage. qui m'a proposé. Comment on ajoute des amis? Putain, Steam, c'est chiant. Ah, plus. Peut-être comme ça. Mais non. Comment t'as... Ajouter un ami. Où ça? Sur Steam, contact. Ah Ajouter un ouais, il y a contact. le petit plus. Parce que j'ai pas d'amis, j'en invite jamais. C'est un code de Ah. contact. Ok. C'est Oclissan. Non, non, Oui. non, 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 ça commence pas. Ah d'accord, il fait se mettre. D'accord, il fait des dessins. D'accord. D'accord. D'accord, Oclissan, t'as intérêt de te bouger le on fion, voit mon qui on con. a Et toi, c'est invité. qui? Et Denzo. Oh, pas de photo de profil Steam. Tu me parais chelou, je vais T'en mettre veux un un autre code autre? ami pour voir. Ouais, c'est j'ai Official Alan. Ouais, vas-y. Ok. Ok, Oclissan il a rejoint et il reste plus que Official Alan. Vas-y. Mais vous êtes beaucoup à voir le jeu, dis donc. Ok. Vous êtes prêts? Allez-y. Il a un jet de bâtard. C'est quoi Ours, ce jet? il a C'est 30 quoi? heures de C'est jeu. quoi le bruit qu'il a? Il a C'est quoi 30 heures de ça? jeu. Caca Wouah! Bouddha. Il est ouf ton jet! Allez-y, vous avez moins d'un quart d'heure pour nettoyer toute la baraque. Vite! Le jet de fou.
Il y a un jet qui est extrêmement efficace là. Extrêmement bruyant aussi, mais c'est celui d'ours. Hein. Ouais, ours, regarde ours. Oh là là, ours. Ouais, il a le tout dernier jet. Ouais, il sait ce qu'il fait. Hein. Putain, ça c'est le rêve de tout nettoyeur, je dirais. Non mais. Eh, je te vois pas bosser toi. Ah, tu sens, il y en a, c'est leur début. Hein. Oh là là. Je vais baisser les bruits de pas et les bruits de. Alors, option, volume général. Ah, mais volume des bruits de pas depuis le début. Ah, mais ça change rien, volume général. On va tout baisser. Ah, volume de l'eau. Volume de l'eau, c'est parfait ça. Volume des bruits de pas. Ouais, les bruits de pas, ils sont trop chiants, je les ai bien bougés là. T'es en train de casser le travail de Oklisan. Il s'occupe de faire un va-et-vient dans le. T'es en train de l'emmerder à chaque fois. Tu es prêt? Il a trop le seum. Rends-moi mon banc. Attends. Je vais m'installer là-haut. Et les regarder là. Tu peux pas? Putain, attends, je pouvais. Je peux plus. À un moment, je pouvais. Fais voir. Ah. Hop. Voilà. Et là, on regarde tranquillement. Ah, je te fais une place, tu peux venir. Ah, merci. Allez. Ah, putain. Alors on quitte le chantier à minuit les mecs, hein, donc si c'est pas fini... Ah ça et fait toi, du bien. Et toi là-bas, là-haut. On pointe avec du doigt. Hey, et toi, bouge-toi. Plus vite, hein. Voilà. Hop, ton bio dans ton va cul. Faire là. Allez, toi, allez, bouge le cul. Moi la façade, je la trouve pas très changée. Hein. Je vois aucune différence avec la façade pour l'instant. C'est marrant, on était plus efficace à deux. Ouais, comme quoi. Est-ce que c'est nous qui étions trop forts ou eux qui sont très incompétents, peut-être les deux. Je vois beaucoup de temps mort. Genre ils arrêtent de faire un truc et ils regardent partout. Eh, vous êtes pas payés autant les mecs hein. Je pense que ça doit pas du tout les embêter de nous entendre là. Ah, le bruit de son jet. Oh, moi j'ai tout baissé, c'est bien silencieux. Oh, fais tab, franchement c'est honteux. Oh c'est honteux. Bon, dépêchez-vous. Eh les gars. Le patron qui te pète dessus. Vous pouvez pas voler celui-ci. Eh, va falloir nettoyer plus vite. Bon, vous êtes à 28%. Alors, qu'est-ce qui nous fait, Merluc? Ouais, pas mal. Bon, c'est pas mal. Il a fait un bon. Et le graffiti du mur, en haut, là, les gitans qui vont nous cambrioler. Hey, là. Attention au cambriolage. Hein. Faut que ça dégage, ça. Hein. Ok. Ah, ouais, bon, okay, j'ai pas le nouveau G, là. Bon, ouais, oui. Ouais, bon. Il a un emboulon, ça va, il sait ce qu'il fait. Ouais, bon, j'aide un peu, mais c'est pas mon taf. Hein. Pour s'aveugle, toujours notre meilleur élément, bien sûr. Hein. Ah, mais il est efficace, autres... ça y a ah pas bah, à regarde dire. Regarde son jet. Regarde ça. Putain, t'as vu son la propreté. Putain. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Et puis ça y va. Il passe ça, un coup rapide dessus et c'est clean. C'est du porn de nettoyage, ça. Un jet pareil. Ah, bah. Moi, ce que tu sais faire. Oh là 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 là. Ça nettoie de zinzin. C'est super propre. Ok. Bel engin aveugle. Hein. Putain. Et quand ils vont apprendre que c'est ma baraque qui sont en train de nettoyer, ils vont faire la gueule. Ah les cons. Ah c'est vrai que là, tu vois, quand je regarde mon angle, c'est vrai qu'il y a une différence. Non, Merluc, il y a du bon travail. Non, Merluc, il a fait un sacré effort. Est-ce qu'on peut en dire autant des deux autres oies? Ouais, les deux abonnés là, bon.
Toujours sur la façade, je vois. Bon, ça va pas vite la façade, hein. Ah, mais ça fait combien de temps qu'ils sont sur ce truc là? Ça n'avance pas. Ça c'est le genre de mec. Ça c'est le genre de mec dans le chat qui me disait, Link, t'es pas méthodique, tu vas dans tous les sens. Regardez, y a rien qui va. Regarde, il fait du vent. Regarde ça. Je suis obligé de l'aider. Théma, regarde. Théma, il fait du vent. Il est passé. Regarde, il passe de ça à ça. N'importe quoi. C'est. Il y a aucune méthodologie. En gros, là. Ça vous représente le chat. C'est vous deux. Ça c'est les deux. Regardez. Là, c'est... Ça c'est les deux du chat. Ça met des heures. Les modos. Ça trigger, ça fait chier. Les modos, excellent taf. Voilà, les la Wonkill Corp. Voilà, bah ouais. Hein. Bah ouais, bah la Wonkill Corp, c'est comment? Bah voilà. C'est super propre de ce côté-ci. C'est nickel. Oh putain, c'est trop satisfaisant à regarder. T'as vu, hein? Ah merde, tu me regardais. Ah, je suis un peu gêné. Mince. Ah, je les aide, hein. Je les aide. Qu'est-ce qu'il fait? Le modo qui supprime les insultes. Oh, t'as jamais tu dit ça, hein. Tu tiens trop ton, tu prends trop ton boulot à cœur, toi. Putain. Bon bah voilà, tant pis. Merluc, c'était pour faire peur aux gitans pour pas qu'ils nous cambriolent. Bah super, maintenant. Oh putain, je vais l'attaquer, ça. Okay. Ah non, c'est le boulot de c'est le boulot tu vois, de l'ours. C'est marrant, Oclissan il s'est dit, ah Merluc il s'est bien fait lustrer le zob quand il a fait le côté de la maison, je vais le faire aussi pour voir si j'ai des compliments. Le problème c'est que Oclissan ouais, ah, si, bah déjà il vient de se rendre compte de sa puissance qui était ridicule, il peut pas aller jusqu'en haut alors que moi regarde. T'as aucune puissance. Tu sais pas le faire ça Oclissan, hein. T'as pas la puissance alors, pour aller là-haut. Pourquoi moi j'ai pas... Ah j'ai plus les embouts, hein. C'est dommage. Comment ça, t'as plus les embouts, si tu les as? Non, je les ai plus. Mais si, tu sais juste pas les mettre. T'as pris ton ancien pistolet, trou de balle. Mais je l'ai pas l'autre. Comment ça, va dans le nettoyeur haute pression. Non, j'ai plus rien, mais t'as cru au bout de 3 heures de jeu, je savais pas l'utiliser le menu. Oh bordel, un infiltré de merde. Eh, oh alors ça, je m'en occupe. Qui tout a fait seul. Ça je m'en occupe, ne dis rien. Ça suffit le rap là. Ça... Oh bordel. Les banlieues là. Hein putain, la drogue. C'est la dernière chose dont on a besoin dans cette maison là. Diams, le mec a 20 ans de retard, tu vois. Probablement un coup de Diams. Bon, c'est vrai que. Ah, il reste moins de 10 minutes, hein. On n'est pas couché. C'est comment devant? On n'est pas couché, c'est moi qui te le dis, hein, vraiment. Pas terrible devant, hein. Cheminée, boiserie, bon. Ah. Et puis attends de voir les détails quand ils auront des boiseries, des cadres à faire. Et puis on peut pas acheter quand on est ici, d'accord. Ouais, tiens. C'est ouf, c'est. Alors, je sais pas qui a fait ça, mais je vais repasser derrière et. J'avoue que c'est du travail mal fait, hein. Quand on repasse derrière, c'est que c'est pas bon signe normalement. Ah, le fait qu'on doive faire ça, c'est honteux. Moi j'ai aucun outil. Oh, je fais le fascia. Bah tiens. Je prends 2 secondes un outil de basse qualité et j'arrive à faire le fascia. Il y a un truc qui connaît le nom fascia, il va le dire tout le temps. Je pense que c'est un fascia comme ça que je voudrais pour ma maison plus tard. Un beau fascia. C'est ça que c'est du beau fascia. Hein. Mm. Allez, il vous reste ce coin-là, là. Oh, comme j'aimerais avoir un vocal pour leur gueuler dessus directement. Oh, je pense qu'ils savent. Ils savent très bien. Hein, tu sais, toi. Hein? Ah, tu sais, hein? Ça. Le pauvre, il se laisse faire. Bon, plus vite, le chat veut aller se coucher, ouais. Là. Vous vous rendez compte? Il vous reste 7 minutes, là. 7 minutes, hein. Ah, attends, qu'est-ce qu'il a marqué sur le toit? C'est une merde! C'est une merde qui nous a dessiné! Efface la merde!
Efface la merde. Efface la merde. Ton jet d'eau va pas assez loin. Sinon t'es viré. C'est bon, il efface sa merde. Il suffit que le client rentre et on est dans la merde, hein. Bah oui. On n'est pas payé d'avance. Bon bah je vous aide. Putain, on... hey, tu sais que sur le devant de la maison, on les a vraiment démotivés. Ils sont partis. Hein. La phrase a coupé, je saurais jamais ce que tu as dit. Le devant de la maison, ils sont partis, ils ont arrêté. Mais oui, mais c'est quoi cette merde? Nous on les a démotivés. Tu vois, ici là, ici ils ont commencé. Il y a un petit truc et ça, c'était terminé après. C'est n'importe quoi, c'est une honte. Et ça, c'est quoi? Mais je dois repasser derrière là. Je n'ai malheureusement qu'est-ce pas que le c'est choix. Que ça non, mais je n'ai mais pas t'as le choix. Vu ça c'est trop. Vous avez vu? Vous êtes non, témoin. Non, c'est trop, c'est trop. Il y avait rien à faire. C'est du travail mal fait, c'est bâclé. Non, là c'est le focaccia de la porte. Oh non, le focaccia. Oh non, mais là, c'est il y a aucun effort qui a été fait. Puis cette bah gouttière, voilà, du coup, voilà, cette gouttière, elle me fait pitié. Bah là, j'ai presque envie de bosser, hein. Franchement, quand je bah j'imagine ça, même pas l'intérieur de la gouttière. Hein. Ah bah, non, mais... c'est ramor, feuilles et compagnie, hein. C'est dégueulasse là. Eh, 5 minutes, ils en sont où? Oh là, minutes, là 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 5 minutes, là. Après tout le monde lève les mains. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal surtout que, alors si tout le toit a été fait. Merci Ours Aveugle. Si tout le toit a été fait, je peux te dire qu'on peut assister à un clutch. Parce qu'ils sont à 90% quand même. Hein. Oh, ça va être Ours qui carry principalement. Regarde, regarde c'est hyper merdique en tout cas. Il t'as leur vu fait ça tout. Comme une étoile, hey. C'est vraiment un truc de ouf. S'il était pas là, c'est... ce serait oh. pas la même mais regardez Ours, c'est impressionnant à regarder. Hein. Hey. Oh c'est là une là machine. Là là. Il a fait le c'est mur. Une machine. Il a tout simplement fait ce mur. Et lui, tu et vois. Il nous fait l'encadrement. Il y a du détail. Voilà, on n'oublie pas les détails. Ici. C'est lui les glings. Hein. Vous entendez des glings, c'est lui à chaque fois. Et attends, il va s'occuper de la gouttière. Oui, bah toi là-bas, official, oui, mais... c'est pas la peine de faire genre que tu official, bosses. Official, hein. Ouais. Oui, bravo, t'as fait l'encadrement de la maison. Voilà. Il passe sa petite il m'a regardé, soirée. Il te fait, il s'attendait rapidement vers moi. Ouais, je me fous de ta gueule là, allez hop, tu couvres la gueule là. Un tourbillon dans le cul, allez hop. Ah, je vais dans la bite. Alors, et ça donne quoi devant? Bon, ça va pas bouger, je suppose. Bon, va falloir attendre que Course Aveugle arrive. Il peut pas être partout, malheureusement. 3 hein. minutes, 94%. Il y a Ours Aveugle mais, qui est obligé hey. De... Ah bah Ours Aveugle est obligé de faire les boiseries. Excuse-moi, official Alan, t'es d'une lenteur. Oclissan, il se rend, je l'ai vu. Il est en train de il faire fait le... Il fait la gargouille dans le jardin, là. Il est avec son jet qui tourne et il a arrosé le gazon, littéralement. On sait qui t'es dans le chat, on va te bannir. Il est où? Ouais, il fait semblant de travailler, je vois bien. Hé hey, je te préviens, Oclissan, à minuit, c'est pas tout nettoyé, t'es banni. Oh, le mec, t'as intérêt de te bouger le cul. Il est très sérieux, par contre. Il reste 2 minutes, Oclissan. Et t'as 2 minutes. Mais rien, il fait rien, il fait rien, tu vas être banni. Alors lui, il est banni, 100% dans le chat, en vrai. Il est banni, si. On va voter, mais c'est un ban, si c'est Oclissan qui a choqué la game. Oclissan, je l'ai vu à FK. Alors qu'il y a des gens comme Ours Aveugle, s'il vous plaît, qui font un travail monumental. Pour le groupe. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments minimes qui ont été oubliés, hein, donc ça va être très très dur de finir, honnêtement. Les ouais, murs de la lucarne, la fascia qui a été négligée. Honnêtement, ça sent vraiment mauvais pour cette équipe. Là, c'est. Eh ben, c'est foutu, je pense, hein. Moins de 2 minutes là. 98%, il va être 23h59. Ça pourrait être un clutch, hein, alors 92%. Que la fascia a été faite. Attention, je vous donne un indice à droite. Ça pue le caca ici, là. Voilà.
Oh, je vois beaucoup d'éléments des gouttières qui ont été. Ah ouais, là, je vois, c'est négligé, c'est du travail C'est rapide, très mal négligé. fait. Je n'ai même pas les outils pour les aider. Hein. J'essaie de les aider, mais. Putain, c'est impossible. J'ai dérangé l'ours pendant son travail, il m'a très mal regardé. 23h59, 99%, il reste tant des fenêtres, des cadres de fenêtres, des Il reste boiseries, beaucoup de des choses qui ne sont pas fascias. Mais terminées. sous Hein. tes pieds, Oclisan, là! Tout le monde le voit! Tout le monde sous tes pieds le voit! Là! C'est terrible! Prendre un ban parce qu'on n'a pas vu la fascia, c'est quand même un délire, je dois te la montrer! Et là aussi, là! C'est bâclé, c'est bâclé! On veut pas voir ça, on veut pas! C'est tab! Tab C'était pour pour toi voir! évident. Il est 23h59. Il est Oh, c'est moi qui dois faire 23h59. la fenêtre. Vite! Et il est Il vous minuit. reste des boiseries! Attention, c'est pas fini! Vous Il pouvez est vous en minuit. tirer! Pourquoi t'inventes. Mais il n'est pas minuit hein, encore! Faites votre Si, putain de il est minuit. boiserie! Ah, c'est minuit 1. Hein. Bah ouais, minuit, c'est encore game! Dépêchez-vous, bon. Bon de Dieu, mais regarde ça, il reste quoi? Et plus grand chose, hein. Mais non, il reste Il pas reste grand-chose! les poteaux. Les rambardes, Vous les étiez cadres si de fenêtres et la proche! boiserie. Aïe 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 Ah, je aïe ne aïe vois aïe même aïe. pas comment vous aider à ce niveau-là. Je ne vois même pas comment vous aider. Oh, partout en dessous, là, c'est dégueulasse! C'est C'est vraiment un dégueulasse! cauchemar en cuisine. Oh, c'est Oh, c'est vrai que honteux! c'est Vous avez dégueu. tout négligé! Oh, les rambardes, c'est les abonnés qui sont occupés de ces Mais rambardes. vous avez tout négligé! 99%. Attention, il ne reste quasi rien! Oh bah alors là, minuit 1. Minuit 1. Minuit 1 Bilan et des il comptes. reste encore Il un restait. poteau, deux rambardes, un cadre de fenêtre et une boiserie. Et là, malheureusement, c'est Oclissane hein, qui va prendre. Bah oui, c'est pas le choix. Ça s'est joué à, je pense, une minute. Si jamais il avait fait son travail, C'est dommage. Hein. je pense que c'était fait. Hein. Et je lui ai laissé une minute de plus. Hein. Mais là, Oclissane, l'AFK. L'AFK, quand toute ton équipe est en train de se démener. Non. Et regarde ça, vous, ça. Je peux Boss. pas. Je peux pas. Je peux pas. Ah, Oclisan qui est un sub, je vais te bannir quand même 24 Tu fois. vas. Ouais, voilà. C'est la moindre des choses. C'est vrai, Var, Merluc a arrosé le gazon pendant 2 minutes. Mais Merluc, c'est pas possible. Pas toi. C'est pas possible. Oklissan, tu peux parler dans le chat vite Non, non, tu es un bâtard. fait. Mec, tout le monde t'adore ici. Tu C'est juste. veux un petit coucou dans le chat? C'est juste pour que. Mec. Bah sinon, je peux aller sur Google et voir combien de 24 heures ça fait en seconde. Hein. Y a pas de problème, hein, mais c'est juste. Si on peut s'éviter ces banalités. Je l'ai fait. Ah, bien joué. Bon, Clissa, on se revoit dimanche, y a pas de galère. Galère, moi. Ça va. Bon, merci quand même au reste de l'équipe pour un Mais ils vont travail me la assez faire cette sérieux. boiserie par contre? Regardez-le! Regardez-le, le nettoyeur de la honte. Il reste Eh, une boiserie. Ouais, c'est ça, vas-y. hey, la boiserie quand même, la boiserie! Oclissan, tu nous trouves cette boiserie? Allez. Eh, Oclissan, attendez, Oclissan, si tu fais la boiserie, je crois que je te débanne. Mais par contre, s'il est. T'as 2 minutes Oklisan, pour la t'as faire. une minute pour trouver la boiserie! 1 minute, c'est peu. T'as une minute pour trouver la boiserie! Même moi, je sais pas où aller. Oh, je te conseille de te dépêcher! Oh putain! Oh, à mon avis, Attends. il vaut mieux que tu trouves la boiserie, hein! Je regarde si je la trouve de mon côté. Attends, mais c'est super dur, elle est où? Coquine, hein, la boiserie. Je la trouve pas. C'est une vilaine boiserie, hein. Bah attends, Elle serait pas qu'est-ce sur que le c'est que toit? cette vilaine boiserie? Bah à mon avis c'est sur le toit, s'il y a de la boiserie sur le toit parce que. Je pense qu'elle est sur le toit. Genre un truc comme ça là. Non, ça c'est des fascias. C'est de la fascia, tout ce qui Ça c'est de la concerne fascia. le toit, c'est de la Tout fascia. ça Hein. c'est de la fascia. Hein.
Le pauvre doit être sous pression de fou, mais en même temps, s'il trouve pas la boiserie. Le client ne payera pas si. C'est marrant, oui, parce qu'on aimerait quand même être payé. Bon, Terracid aimerait quand même être payé. mais. Si je peux le Oh, rappeler. j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé. Mais non. J'ai trouvé, c'est une honte. T'es prêt? qui est en train de le bourrer. Le problème, c'est qu'une minute est déjà largement passée. Bah, tu la nettoies ta boiserie? Bah, je comprends pas ce qui est sale, j'ai tout fait là. Alors que je me déplace? Ah, ouais. Ah, voilà. Ah. Bon bah. Eh bien, 3 heures de nettoyage quand même, hein. Je regarde le petit timelapse. Oh C'est quand putain, même une il y a un dinguerie. passage où on est tous les deux sur la bagnole en train de rien branler. Les patrons. Ah, la vidéo est tellement longue à télécharger vu qu'ils ont été inefficaces. C'est exactement ça. Ouais. Oh, c'est quand même agréable à regarder ça, ce petit timelapse là. Bah, c'est plus agréable quand voilà, quand on peut manager une équipe et donner un bon état d'esprit et que tout le Bon, monde en tout avance cas, on avait ensemble. vraiment deux éléments très efficaces. Hein. Oui. On recommande. Par Bon. contre, dès lors qu'on va chercher dans le chat, Ah, et là, effectivement. ça bosse moins bien, hein, quand même. Bah, c'est le quota quoi, de salariés à problème. Qu'on est obligé d'engager, malheureusement. Et puis, bon, on voit que ça bosse plus lentement et moins bien. Peut-être pas réitérer l'expérience. Tiens, maintenant t'as une raison de le dire. Hop là, ça dégage. Ah, petit bain avant d'aller se coucher là. Allez, bonne nuit à tous. Je regarde quand même ma belle vidéo. Ah non, la vidéo est vraiment impressionnante. Hein. C'est du bon travail. Magnifique. Hop. Allez. Faut aller manger là. Merci à Merci à tous tous. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Ah, les crédits vont marcher, je crois. Ah, les crédits vont marcher.